Parfait. Bien, je me permets d'ouvrir cette nouvelle réunion de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale chargée d'établir les raisons de la perte d'indépendance et de souveraineté de la France en matière énergétique. Alors, après un premier cycle d'auditions organisé dans le cadre de cette commission qui nous a permis de collecter des éléments de contexte, on a entamé la semaine dernière un second cycle sur les éléments statistiques. Donc on a vu notamment l'INSEE qui est plutôt sur un angle statistique peut-être de consommation et de marché. La table ronde du jour devrait nous permettre d'aller peut-être davantage dans la qualification de la production, des approvisionnements et de ce genre d'éléments. Je tiens à remercier l'ensemble des personnes ici présentes, nombreuses cet après-midi, qui ont accepté de venir pour présenter leurs travaux devant la commission d'enquête. Je ne m'attendais pas à la manifestation d'un si grand intérêt. C'est vrai que, comme on est au début de nos travaux, on lance des ballons d'essai, mais on se rend compte que ça commence à prendre et on ne peut que s'en réjouir. Donc, des questionnaires vous ont été adressés par le rapporteur. Je remercie ceux qui ont eu le temps. Alors, je sais qu'il y a des décisions un peu tardives de venir qui ont été prises. Donc, ceux qui ont eu le temps de se prêter au jeu. Je ne doute pas qu'à l'issue des auditions, si nous avons des questions ou des approfondissements, chacun se prêtera au jeu de répondre à nos écrits. L'audition réunit des représentants des services des études et données statistiques du Commissariat général au développement durable du département des statistiques et des études du commerce extérieur et de la Direction générale des douanes et des impôts indirects pour ce qui est des données nationales, d'Eurostat qui est rattaché à la Commission européenne pour les données relatives aux pays européens et à l'Union européenne, ainsi que de l'Agence internationale de l'énergie fondée dans le cadre de l'OCDE pour les comparaisons internationales. Nous avons donc qui sont présents, mesdames Béatrice Cédillo, Bérangère Mesqui, Virginie Andrieux du SDES. On va au fur et à mesure de l'audition comprendre ce que c'est que le SDES. Madame Katie Attal-Toubert et monsieur Boris Ganel du DSECE. Je lis la note. Hein. Madame Madeleine Maouvski et monsieur Gaston Bricou d'Eurostat. Là, le nom est plus parlant. Messieurs Jérôme Hiller et Monsieur Tanguy de Biennas, 6 de l'Agence internationale de l'énergie. Je vais vous laisser la parole sans plus attendre. Je précise quand même quelques éléments de droit sur le fonctionnement de notre commission. Conformément au vœu de notre rapporteur, nous procéderons en deux temps. Le premier consacré plutôt aux données nationales, y compris celles relatives au commerce extérieur, le second dédié aux données européennes et internationales, avec les exposés de Madame Cédillo et Attal-Toubert. On rentrera. Ce que je vous propose, c'est faire l'exposé, avoir un temps d'échange, puis faire le second exposé plutôt européen et international, et avoir le temps d'échange si ça vous va. Puis évidemment, les choses peuvent s'incrémenter au fur et à mesure. On ne va pas être complètement en silo. Hein, si l'un ou l'autre veut réagir dans les discussions, il n'y a pas de difficulté. En vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, la plupart d'entre vous, en tant que personnes auditionnées, doivent prêter serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, sachant qu'il s'agit d'une faculté pour les représentants d'organismes qui ne sont pas nationaux. Donc, je vous propose, sauf manifestation contraire à ce qu'on propose à chacun de prêter serment, et je vous demanderai du coup simplement chacun successivement, à l'appel de votre nom que je vais faire sur la base de vos chevalets, de lever la main droite et de dire « je le jure ». Ça va à tout le monde ? Très bien. Donc, monsieur Jérôme Hiller. Je le jure. Monsieur Tanguy de Biennassis. Je le jure. Madame Madeleine Maouvski. Je le jure. Monsieur Gaston Bricou. Je le jure. Madame Cathy Attal-Toubert. Je le jure. Monsieur Boris Gamnel. Ah, je crois qu'il me faut des lunettes. Hein. Je le jure. Ouais, c'est...
Madame Bérangère Mesqui. Je le jure. Madame Béatrice Cédillo. Je le jure. Et Madame Virginie Andrieux. Je le jure. Bien, je propose donc au Bloc national de commencer par un petit exposé, donc à deux voix. Oui, merci beaucoup. Bonjour messieurs et mesdames les députés. Je vous propose de peut-être présenter brièvement mon service qui effectivement est le SDES. Et puis ensuite, je laisserai Bérangère Mesqui, qui est en charge chez nous du suivi plus précis des statistiques de l'énergie, l'opportunité de présenter les principales données. Alors juste un mot sur le service des données et études statistiques. Donc c'est effectivement le service statistique des ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministère de la transition énergétique. Donc c'est un service du Commissariat général au développement durable, mais c'est aussi l'un des 16 services statistiques ministériels qui constituent avec l'INSEE le service statistique public. Et Jean-Luc Tavernier, je pense, lors de son audition précédente, a eu l'occasion de vous présenter un petit peu l'organisation. Donc de façon assez pratique, effectivement, les sujets de l'énergie, quand même, pour la partie production, consommation, sont traités chez nous. Alors, plus précisément, effectivement, ils sont traités au sein d'une sous-direction, puisque nous couvrons également d'autres sujets, comme le transport, le logement, la construction, l'information environnementale. Mais ici, évidemment, c'est l'énergie qui vous intéresse. Alors, on a évidemment un rôle à la fois de produire des indicateurs statistiques, des données pour éclairer le débat public très largement, en publiant tous nos résultats très largement. Et puis, également, on a également pour mission de suivre les engagements de la France, les engagements internationaux ou également les politiques publiques nationales. Quelques exemples, donc on transmet de nombreuses données mensuelles et annuelles à l'Agence internationale de l'énergie et à Eurostat sur les produits pétroliers et le gaz, notamment, pour s'assurer de la sécurité, d'approvisionnement de la France en hydrocarbures. On contribue également au suivi du protocole de Kyoto sur les émissions de gaz à effet de serre. Alors c'est le CITEPA qui est en charge des normes internationaux, mais le CITEPA utilise en large partie, pour une bonne partie, des estimations, les données qui sont produites chez nous par le bilan de l'énergie. Et puis on suit évidemment de nombreuses directives européennes, et en particulier, notamment avec des rapportages sur les énergies renouvelables ou l'efficacité énergétique. Donc, dans le support un peu de présentation qu'on vous a transmis, vous pourrez trouver le lien vers l'endroit où on peut trouver toutes nos productions. Donc, on a un site internet dédié, celui du SDES, dans lequel il y a une page consacrée à l'énergie et sur lequel on trouve effectivement tout un ensemble de publications, de synthèses, donc notamment le bilan de l'énergie ce qu'on appelle des chiffres clés de l'énergie, chiffres clés des énergies renouvelables, qui vraiment rassemblent en un petit document les chiffres essentiels, des notes de conjoncture, puisqu'on en produit également trimestriellement sur le sujet de l'énergie, des tableaux de bord trimestriels sur les énergies renouvelables, des données mensuelles, et puis également des publications, alors souvent assez régulières, à dire vrai, même souvent annuelles, sur les prix, avec des comparaisons européennes, mais également sur la recherche-développement en énergie, mais les dépenses publiques, et puis également sur les facteurs d'évolution, par exemple des émissions de CO2 liées à l'énergie. Donc on a une gamme de publications sur laquelle on s'appuie d'ailleurs pour cette présentation. Et donc je laisse peut-être tout de suite la parole à Mme Bérangère Mesqui pour présenter les principales données, notamment en réponse aux questionnements que vous nous aviez transmis en amont de cette audition. Merci Béatrice. Je ne sais pas si vous avez tous la présentation en version papier sous les yeux, parce que je vais quand même commenter les graphiques, les différents graphiques, donc ça peut être plus pratique pour suivre, pour ceux qui ne l'ont pas prise. Donc effectivement, je vais vous présenter les principales données dont on dispose pour répondre notamment aux questions que vous nous avez envoyées. Il y a à la fois des données annuelles qui sont des données consolidées, la plupart consolidées, qui portent sur l'année 2021. Et puis il y a certaines données que je vais vous présenter également sur ce qu'on connaît sur 2022 pour avoir des tendances un peu plus récentes. Du coup, je suis en page 8 pour ceux qui veulent suivre. Sur la consommation d'énergie, ce que je vous ai présenté, mis sur le PowerPoint, les données de consommation primaire et de consommation finale, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une diminution tendancielle de la consommation d'énergie, qu'elle soit primaire ou finale, depuis le milieu des années 2000. Et en 2021, un rebond, comme on peut s'y attendre, suite à la sortie de la crise sanitaire.
Et donc on atteint 2760 TWh de consommation primaire en 2021 et 1750 TWh de consommation finale. Ce que vous voyez sur le graphique, la répartition entre les différents types d'énergie et notamment ce qu'on voit, c'est la part du nucléaire qui est importante dans la consommation primaire et la part de l'électricité qui l'est moins en consommation finale. Hein, enfin, en consommation finale, une grosse partie de notre consommation, c'est des produits pétroliers. Par secteur, donc slide d'après. Donc, par secteur, on a eu depuis 1990 une diminution assez nette de la consommation d'énergie dans l'industrie pour atteindre 316 TWh en 2021. Dans le tertiaire et dans le résidentiel, en revanche, une consommation qui est à peu près stable depuis le début des années 2000, enfin, au milieu des années 2000. Dans les transports, une consommation qui a rebondi en 2021 avec la sortie de la crise sanitaire, mais sans atteindre le niveau de 2019. Donc on est toujours, on était plutôt en hausse, sur une hausse douce sur la consommation d'énergie dans les transports. Et là, en 2021, on est quand même nettement plus bas que le niveau qu'on avait en 2019. Enfin, je ne sais pas si vous voulez m'interrompre, s'il y a des questions précises, ou vous viendrez après. Parce qu'on peut commenter plus longtemps ces graphiques, mais le temps n'est peut-être pas... Je déroule et... D'accord. Si on passe à la production d'énergie. Donc la production primaire, elle rebondit en 2021, hein, donc là aussi suite à la sortie de la crise sanitaire. Néanmoins, elle reste inférieure à son niveau de 2019. Notamment parce que la production nucléaire est à l'un de ses plus bas niveaux depuis la fin des années 90, à 1150 TWh. Et donc ça, c'est lié à la crise sanitaire qui a impacté les calendriers de maintenance. Et puis également, en fin d'année, à la découverte de problèmes de corrosion sur certains réacteurs qui ont imposé la mise à l'arrêt des différents réacteurs. Et ce qui fait que la production nucléaire, elle est 15% inférieure à son niveau le plus haut de 2005. Et en 2021, la production hydraulique a également diminué du fait de faibles précipitations et puis de stocks hydrauliques assez bas. Ce qui explique du coup le fait qu'en 2021, on n'a pas atteint le niveau de 2019. Néanmoins, ce qu'on voit sur le long terme, c'est quand même, j'aurais dû commencer par ça, c'est que la production primaire d'énergie a fortement... cru depuis les années 70, notamment avec le déploiement du programme nucléaire. C'est la slide d'après sur la production électrique par filière. Donc là encore, on voit que le nucléaire, c'est un peu plus des deux tiers de la production électrique. Et on voit une croissance des énergies renouvelables assez importante depuis la fin des années 2000 dans la production électrique. Et puis, on retrouve le résultat de tout à l'heure, qu'on a une production nucléaire légèrement en retrait par rapport à 2005. Sur 2022, donc slide d'après, donc ça, c'est les aimants de notre conjoncture. Donc, avec des niveaux qui ne sont peut-être pas exactement comparables au niveau annuel, mais qui permettent d'avoir une idée de la tendance en 2022. Donc ce qu'on voit, c'est qu'au troisième trimestre 2021, la production électrique a diminué de 24% par rapport au troisième trimestre de l'année d'avant. 2022, pardon, j'ai dit des bêtises. Au troisième trimestre 2022, la production électrique est en diminution de 24% par rapport au troisième trimestre 2021. Voilà. Et ça, c'est lié essentiellement à la baisse de la production nucléaire, hein, qui diminue de 36%, mais également à la baisse de la production hydraulique, qui diminue également de 36% du fait de la sécheresse qu'on a connue en 2022. Voilà, sur la production... dernière slide sur la production, donc slide 13, sur le développement des énergies renouvelables. En 2021, les énergies renouvelables représentent 19,3% de notre consommation finale brute. Donc c'est légèrement en dessous de l'objectif qu'on s'était fixé pour 2020. Néanmoins, c'est en forte progression
Les ENR sont en forte production depuis 2005, elles ont quasiment, elles ont plus que doublé, notamment du fait du développement de l'éolien, des pompes à chaleur et des biocarburants. Ensuite, quelques éléments sur les échanges extérieurs d'énergie. Donc, page 14. Donc, on importe en net 1247 TWh en 2021, essentiellement du pétrole et du gaz naturel. Et puis, on est exportateur net d'électricité. Mais par rapport, en TWh par rapport aux importations, c'est pas grand-chose. Et si on regarde plus en détail les exportations nettes d'électricité, on voit qu'elles sont, elles sont un peu plus fluctuantes depuis 2008. Et ça, c'est lié à la fois aux fermetures de centrales à charbon et puis au développement des ENR intermittentes, qui font que du coup la production est moins stable. Voilà, et quelques éléments sur les importations, sur les échanges extérieurs en 2022, donc page 16. Donc c'est surtout le graphique de droite qui dit quelque chose, où on voit clairement que, donc, en lien avec la baisse de la production d'électricité, les exportations d'électricité s'effondrent, diminuent fortement en 2022. Voilà. Ensuite, quelques éléments sur l'indépendance énergétique. En fait, en statistique, on n'a pas de concept de souveraineté énergétique. Néanmoins, on a des indicateurs qui permettent un peu d'approcher cette idée de souveraineté. On a ce qu'on appelle le taux d'indépendance énergétique. Enfin, nous, c'est ce qu'on regarde dans nos publications, qui correspond à la production primaire sur la consommation primaire. En gros, quelle part de notre consommation primaire on produit nationalement. Donc là, c'est le graphique page 18. Donc on est passé en lien avec le développement du programme nucléaire à la fin des années 70 de 25% de taux d'indépendance énergétique à 55% en 2021. Donc ça c'est donc l'indicateur de taux d'indépendance énergétique sur 2022 si on le regarde pas. Juste, là-dessus sur c'est la production sur le territoire national qui détermine le fait de considérer l'énergie comme... de le considérer dans la case indépendance, c'est ça ? Oui. Donc de l'électricité produite à partir de pétrole importé contribue à l'indépendance ? Non, c'est la production primaire. Production primaire. Non, c'est juste pour bien comprendre les chiffres. Oui, pas la consommation. Donc c'est la production primaire, donc c'est... le nucléaire, on y reviendra, c'est une convention statistique, mais donc c'est la production nucléaire, c'est ce qu'on avait dans le graphique page... En fait, c'est le graphique de la page 10, la production primaire. C'est l'énergie nucléaire et la production d'ENR, globalement. Et puis un petit peu de gaz, un petit peu de pétrole, enfin voilà. Globalement, c'est du nucléaire et des ENR. Donc c'est comment on couvre notre consommation avec ces productions-là. Donc si je reviens page 19, sur 2022, on voit une chute du taux d'indépendance énergétique, donc toujours en lien avec la baisse de la production nucléaire sur le début de l'année. Alors juste une précision, le niveau là du taux d'indépendance énergétique, celui qu'on regarde en conjoncture, c'est pas exactement le même niveau que le graphique précédent, parce qu'il nous manque les ENR thermiques et les déchets. Donc il ne faut pas regarder le niveau, mais ce qu'on peut regarder, c'est la tendance qui, effectivement, diminue sur le début de l'année. Donc sur 12 mois, le taux d'indépendance énergétique perd 6 points. Une autre façon de regarder le concept de souveraineté énergétique, c'est de regarder les échanges extérieurs, et notamment la diversification des pays importateurs, de nos fournitures d'énergie. Donc là, page 20, je vous ai mis les échanges extérieurs de gaz. Alors, sur les échanges extérieurs, je pense que les douanes reviendront après. C'est un sujet en statistique qui n'est pas complètement évident, notamment pour repérer les pays d'origine des importations. C'est un sujet qu'on discute pas mal à Eurostat. Donc là, nous, ce qu'on a, c'est les origines
du gaz que nous donnent les fournisseurs d'énergie dans, leur, dans les contrats d'achat de... Tu me corriges si je dis bêtises. Hein, dans les contrats d'achat de gaz, en l'occurrence. Donc ça diffère un peu des données douanes. Et voilà, donc il y a quand même il peut y avoir des petites différences sur les parts. Donc nous, de ce que nous rapportent les fournisseurs d'énergie, donc qui achètent du gaz, la Norvège représente 32% des importations. Donc là, c'est vraiment les importations. Et la Russie 22% en 2021. Ensuite, il y a l'Algérie 8%, les Pays-Bas 7%, le Nigeria 7%. Et puis, on a quand même un gros paquet, on a 22% qui sont des autres pays, et puis des pays dont on ne connaît pas l'origine, notamment le gaz acheté sur les marchés. Les fournisseurs d'énergie ont du mal à nous dire quel est le pays d'origine de ce gaz-là. Donc on a une part dont on ne connaît pas vraiment le pays d'origine. Sur le pétrole... Pardon. Alors, ça peut être du gaz liquide, mais pas que... Micro. Possible par au point d'interconnexion. On essaye d'avoir des informations là-dessus, mais voilà, les fournisseurs ne nous le disent pas. Il y a du côté des transporteurs de gaz, ils n'ont pas vraiment l'information sur voilà, ce qui est passé par marché, etc. Donc c'est quelque chose qui est très difficile à trouver. Et en 2020, il y en a particulièrement, même plus qu'en 2021, parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges. Le prix du gaz s'étant effondré, il y a eu beaucoup d'échanges sur le marché. On ne pouvait pas être forcément preneur. Donc, il y a beaucoup... Enfin, cette part des marchés a été plus importante en 2020 qu'elle n'a été les années précédentes. Et même en 2021, on retrouve une part de non affectée qui est plus raisonnable qu'en 2020. Sur le pétrole, page 21, nos importations sont peut-être un peu plus diversifiées. Enfin, on a beaucoup plus de pays dont on importe du pétrole brut. Sur les produits raffinés, c'est l'Europe, c'est l'Europe essentiellement qui nous fournit 42% de nos produits pétroliers raffinés. Ce sont les importations nettes, effectivement, alors que tout à l'heure, sur le gaz, c'était les importations brutes, enfin les importations. Là, effectivement, c'est net des exportations. Oui, donc ça change un peu. Donc, effectivement, sur les produits raffinés, ça peut changer un peu la répartition. Voilà, et alors, page 22, juste un petit point, ce que je disais tout à l'heure sur le nucléaire, c'est qu'on considère que c'est une production nationale. C'est une convention qui est évidemment purement statistique. Donc même si les énergies renouvelables ou le nucléaire, ça compte dans notre taux d'indépendance énergétique, il faut bien avoir en tête que la totalité de l'uranium naturel qu'on utilise dans nos centrales est importée. Et alors, du coup, si on regarde les principaux producteurs au niveau mondial, c'est le Kazakhstan à 45%, la Namibie à 12%, le Canada à 10%. L'origine de l'uranium importé en France, a priori, n'est pas forcément complètement cohérent avec les principaux producteurs. Et on importe beaucoup du Niger, d'Australie, d'Ouzbékistan, mais aussi du Kazakhstan. Enfin, voilà, les pays fournisseurs d'uranium sont peut-être un peu moins diversifiés que sur le pétrole et quand même une dépendance assez forte à l'étranger, à 100% à l'étranger sur le combustible nucléaire. Et de la même façon, pour les ENR, on a des enjeux de criticité sur de nombreuses ressources qui sont nécessaires à la transition du système énergétique et à la production d'énergie renouvelable. Donc ça, c'est RTE, j'imagine que vous allez les auditionner, hein, qui précise ça dans son rapport sur les futurs énergétiques à 2050. Et donc on a par exemple le cuivre qui est indispensable à tous les composants du système électrique, que ce soit le nucléaire, les renouvelables... les batteries ou le réseau, il y a des sujets de tension sur l'approvisionnement du cuivre. De la même façon, sur le silicium, qui est indispensable au niveau du développement du solaire, RTE souligne qu'il serait nécessaire de trouver d'autres sources d'approvisionnement. Et enfin, sur le lithium et le cobalt, qui sont indispensables pour le stockage d'électricité, il y a aussi des enjeux d'approvisionnement. Voilà. Et une autre façon d'aborder la question de la souveraineté, c'est de regarder aussi la facture énergétique, hein, combien ça pèse
dans notre budget. Donc en 2021, c'est la facture énergétique qui est 44,3 milliards d'euros en 2021. Il me semble que c'est le déficit commercial. C'est le niveau du déficit commercial de la France. Et si on regarde les évolutions 2022, toujours dans nos données de conjoncture, mais on voit une forte envolée de la facture avec la hausse des cours depuis la fin 2021. Et donc là, sur 12 mois, la facture atteint 96 milliards d'euros et c'est une augmentation de 187%. Voilà. Ensuite, j'ai mis quelques éléments sur les stocks, puisque vous nous aviez posé des questions dessus dans le questionnaire. Alors, sur les stocks, on suit les stocks utiles de gaz naturel en fin de mois. Donc, ça, c'est à page 26. Donc, on voit que là, en septembre, on est à 137 TWh de stocks utiles de gaz, à un niveau plus élevé qu'à la même époque en 2021. Et on a les capacités de stockage qui sont quasiment pleines, avec un niveau de stockage à 96,9% le 1er octobre. Et sur les stocks stratégiques stratégiques et commerciaux de pétrole, on n'a que des données annuelles pour le coup. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'en fin d'année 2021, on était plutôt en dessous des niveaux des années précédentes. Mais on n'a pas les données sur le début de l'année 2022. Ensuite, sans que ce soit... Donc, juste sur le stock de gaz, là, on voit que donc 2021, en septembre, on est à un niveau plutôt haut, même si on est, enfin, de toute façon, on est limité par ce qu'on est capable de stocker. Hein. Voilà. Donc, on arrive au niveau maximal qui avait déjà été atteint. Par contre, on voit aussi qu'en début d'année, on était à un niveau de stock historiquement bas. Avec une courbe du coup en fin d'année dernière qui était particulièrement pentue, quoi. Oui. Ouais. Donc il y avait déjà des indices de criticité qui étaient présents l'année dernière. Je pense qu'à l'époque aussi les prix étaient très hauts et on ne pouvait pas anticiper forcément qu'ils allaient encore augmenter en fait. Donc, je pense que ça explique aussi le fait que voilà, les opérateurs n'ont pas. On n'a pas pu anticiper ce qui s'est passé ensuite en début 2022. Merci. Hop. Oui. Ensuite, j'ai mis quelques slides, peut-être rapidement, sur le bilan énergétique des DOM, puisque vous nous posiez la question sur les zones non interconnectées. Donc, voilà, enfin, on a moins d'éléments. Hein. Ce qu'on voit, c'est que les DOM sont effectivement une production primaire très faible. Donc, qui est cette fois inférieure à leur niveau de cette fois inférieure à leur niveau de consommation, que la production c'est essentiellement donc page 30 essentiellement de l'énergie renouvelable électrique ou thermique, enfin d'ailleurs beaucoup d'ENR thermique, et que la production d'électricité dans les DOM se fait essentiellement à partir de centrales à gaz et au charbon. Et bon, voilà, enfin je pense qu'on n'a pas beaucoup plus d'éléments. Sur le sujet des DOM, enfin, sauf si vous avez des questions qu'on pourra creuser après, éventuellement. Et c'est tout. Le reste, c'est des annexes sur lesquelles on est disponible si vous avez des questions. Merci. Donc, avant de passer aux douanes, moi, j'aurais juste une question. Quel est le rôle de votre service dans l'élaboration des scénarios de consommation d'énergie? Je pense notamment au scénario que tout le monde regarde avec beaucoup d'attention, qui est celui d'RTE, puisque du coup vous disposez de données qui sont quand même assez fiables. Est-ce que vous êtes sollicité ou pas? Et si oui, pourquoi? On n'est pas vraiment sollicité. En fait, toutes nos données sont disponibles. Enfin, ensuite, on fournit des données à qui veut. Mais RTE, sur la consommation électrique, ils ont toutes les données. Donc, ils n'ont pas forcément besoin des nôtres, enfin, sur la partie électricité. Et ensuite, toutes nos données sont disponibles en ligne et donc sont utilisées, sans doute, pour baser les scénarios. Mais on n'intervient pas, nous, dans la construction des scénarios. Les données sont utilisées pour les séries longues.
Voilà, on n'a pas, on n'est pas effectivement directement, enfin, on n'a pas une fonction de prospective en fait, par exemple au sein du service. Hein, c'est pas dans ce voilà. Donc, c'est pas nous-mêmes l'exercice de prospective. Évidemment, qu'RTE a les données sur l'électricité, mais enfin sur les scénarios qui se construisent sur l'électricité, il y a un sujet de transfert d'usage. Et de ce point de vue-là, ça peut être intéressant d'avoir accès à des données plus fines sur les usages des autres énergies que l'électricité dont vous disposez. Quoi. Okay. Bah, écoutez, comme tu veux. Bah, à ce moment-là, on passe aux douanes et puis on fera des questions sur les statistiques nationales après. Très bien. Bonjour, donc Kétia Taltoubert. Je suis chef du DSECE depuis 2 semaines. Voilà. Heureusement que mon adjoint est là. un petit mot également sur la présentation du service. Donc, le département des statistiques et des études du commerce extérieur fait partie donc de la Direction générale des douanes et des droits indirects. Et donc, il a en charge le suivi des échanges extérieurs de la France en matière de biens. Comme le SDS, le DSECE fait partie du service statistique public qui, avec l'INSEE et les 15 autres SSM, voilà, compose le SSP. Donc, on ne va pas détailler davantage. Alors, je n'ai pas fait de diapo concernant nos productions statistiques, mais exactement de la même façon, je peux peut-être rapidement vous indiquer qu'on on diffuse beaucoup d'informations statistiques sous différentes formes. Alors, d'abord, des notes, enfin, les résultats mensuels sur les imports et les exports et le solde commercial. Donc, en mensuel, on a des bilans trimestriels, des bilans annuels. On a des données aussi en open data. Et puis par ailleurs donc des études plus ponctuelles et plus fouillées sur différentes thématiques. Et donc toutes ces productions et toutes ces diffusions se trouvent sur le site Le Kiosque des Finances. Donc pareil, on vous mettra le lien vers notre site et vers toutes ces productions. Donc les études thématiques, c'est un petit peu en lien avec l'actualité. Comme il y a eu sur les échanges franco-britanniques ou les échanges franco-russes. Enfin voilà, il y a on fait des zooms sur certains phénomènes récents. Un petit mot sur les sources de données utilisées. Alors, pour produire les statistiques du commerce extérieur. Alors, on va distinguer en fait les échanges de biens intra-Union européenne et extra-Union européenne. Pour les statistiques intra-Union européenne, jusqu'avant janvier 2022, en fait, on utilisait ce qu'on appelle la déclaration d'échange de biens, qui était une formalité administrative avec deux composantes qui étaient réunies dans une même déclaration, à savoir un volet fiscal et puis une composante qui était destinée à la collecte d'informations pour l'établissement des statistiques du commerce extérieur. Et cette partie-là donc était régie par le règlement Intrastat européen. Récemment, donc, ce règlement Intrastat a été remplacé par le règlement EBS, European Business Statistics. Et la mise en œuvre de ce règlement s'est traduite par en fait une séparation de la formalité administrative, donc qui est restée donc un formulaire administratif, et la collecte d'informations pour le commerce extérieur, qui elle est désormais réalisée par une enquête mensuelle, donc l'enquête mensuelle sur les échanges de biens intra-UE et MEBI qu'on met en œuvre donc depuis janvier 2022. Pour les échanges. Pardon, je me permets de vous interrompre. L'enquête, elle est, c'est un échantillonnage ou elle est exhaustive? Alors, c'est. Je vais te laisser répondre. C'est un quasi. C'est quasi exhaustif. En fait, il y a un seuil en dessous duquel on ne collecte pas de données et on fait des estimations. Mais oui, grosso modo, on interroge pratiquement tous les acteurs. Au-dessus du seuil. Donc effectivement, comme l'a dit Kitty, nous interrogeons l'ensemble des entreprises qui ont dépassé au cumul sur l'année 460 000 euros d'échanges, donc soit l'introduction intra-UE, soit l'expédition intra-UE. Ce sont des règles qui existaient déjà du temps de l'ADEB. La différence qui est introduite avec l'enquête mensuelle, donc avec les MEBI,
c'est que avant, les opérateurs du commerce extérieur avaient l'obligation de se déclarer elles-mêmes lorsqu'elles constataient eux-mêmes, lorsqu'ils constataient en cours d'année qu'ils avaient dépassé ce seuil, alors qu'aujourd'hui, c'est à nous, statistiques publiques, de les identifier via des sources externes, comme par exemple les déclarations des chiffres d'affaires, puisque typiquement le chiffre d'affaires à l'exportation, par exemple, c'est une information qui est transmise tous les mois par les entreprises à la DGFiP. Donc voilà, donc en termes... Alors là où quand même on se dit qu'il y a quand même le passage d'une déclaration à une enquête n'a pas vraiment modifié la collecte, en tout cas dans les principaux agrégats que l'on collecte, c'est qu'en réalité, le commerce extérieur est très concentré au niveau national. C'est-à-dire que une trentaine de milliers d'opérateurs font 90%, près de 95% des échanges de la France. Donc ce sont des opérateurs de plutôt taille, de taille connue, et donc que nous suivons régulièrement. Alors ensuite, en slide numéro 4, on voulait le SDES vous faire part d'un concept un petit peu approchant pour la notion de souveraineté et d'indépendance, puisqu'on n'a pas vraiment de définition de ces deux termes. Mais on proposait en fait de vous faire part d'une notion qui est celle de vulnérabilité, puisque en fait ce concept-là est de plus en plus utilisé dans des études. Il a été défini par le FMI, puis réutilisé par la DG Trésor, le Conseil d'analyse économique et nous-mêmes, puisqu'on l'a adapté pour une étude récente qu'on a publiée cet été sur l'analyse de la vulnérabilité des approvisionnements originaires de Chine. Donc, en quelques mots, comment on définit cette notion de vulnérabilité ? Eh bien, c'est à partir de deux critères. Donc, le premier critère, c'est le degré de concentration des pays fournisseurs. Alors, donc là, j'ai mis hors UE, mais c'est pas forcé. En fait, ça peut être aussi y compris UE, des importations du produit. Donc, pour un produit donné, en fait, on veut savoir à quel point les importations en provenance de pays extérieurs donc, se concentrent sur un petit nombre de pays fournisseurs, puisque effectivement on voit que si ces importations sont concentrées sur seulement un ou deux pays, à partir du moment où ces quelques pays font défaut de fourniture, eh bien cela présente un risque. Mais on voit bien aussi que cela peut ne pas être un réel risque si on peut se reporter sur d'autres fournisseurs. Donc c'est pour ça qu'on a introduit un deuxième critère qui est justement le potentiel de diversification à court terme du produit, c'est-à-dire cette fois-ci on regarde si pour ce produit-là les exportations mondiales, les exportateurs mondiaux sont nombreux ou si, encore une fois, les exportations mondiales sont concentrées sur seulement quelques pays. Parce que, donc, en l'occurrence, si ce sont justement nos fournisseurs et que, au niveau mondial, ce sont aussi eux qui représentent l'essentiel des exportations dans le monde, on n'a pas vraiment de possibilité de report sur d'autres pays. Voilà, donc on a appliqué donc ces critères de façon un petit peu adaptée pour la vulnérabilité vis-à-vis de la Chine. Malheureusement, pour l'instant, à ce jour, on n'a pas encore appliqué ces critères-là sur le champ de l'énergie. Donc, bon, ça sera peut-être des investigations à mener par la suite, mais voilà. Donc maintenant, je vais laisser la parole donc à... Oui, pardon. Qui définit les champs sur lesquels on vous demande de travailler cette notion de vulnérabilité et depuis quand c'est un concept qui organise vos travaux? Alors, d'une façon générale, les études des services statistiques ministériels, en fait, sont... Enfin, on présente en général un programme de travail au CNIS, Conseil national de l'information statistique. Voilà, on projette un certain nombre de sujets qui peuvent être éventuellement débattus. Après, c'est vrai qu'il y a aussi des sujets qui peuvent se présenter au fur et à mesure, selon le contexte économique du moment. Là, actuellement, on peut peut-être dire quand même qu'on a déjà fourni, alors pas ces deux critères-là, mais on a fait un petit zoom dans notre dernier bilan trimestriel sur l'énergie. Oui. Voilà, donc on voit, enfin,
Voilà, on voit bien que quand on voit les contributeurs, les principaux contributeurs aux évolutions, puisque nous, en fait, on décrit les évolutions, on fait des bilans sur les évolutions et on regarde ce qui contribue le plus. Et après, on va effectivement zoomer sur certains produits ou certains pays. Voilà. Donc, je reformule ma question. Quand est-ce que le concept de vulnérabilité est apparu dans vos travaux? Là, en fait, c'est la première fois qu'on l'a utilisé cet été dans le cadre de l'étude sur la Chine. Voilà. Mais les études du Trésor, ça datait de 2020, si je ne me trompe pas. Il y en avait une première en... Mais globalement, c'est après la crise Covid. Donc, oui, voilà. Oui, c'est essentiellement lié, effectivement, à la crise Covid. Ouais. Très bien, merci. Puisque justement, dans l'étude du Trésor, justement, ce qui avait été mis en évidence, c'était aussi les produits pharmaceutiques, enfin des choses comme ça, dans les produits vulnérables, en fait. Mais voilà. Donc je voulais laisser la parole à mon adjoint pour la présentation des résultats des importations et de la structure par produit et par pays. Merci. Alors, sur un certain nombre de points, on rejoint la présentation qui a été faite par le SDES. Donc, je vais essayer d'être court et synthétique. Alors, peut-être quelques propos liminaires de méthodologie. Effectivement, les statistiques qu'on va vous présenter ici sur le commerce extérieur seront différentes de celles qui ont été commentées par le SDES. Donc, pour des raisons méthodologiques, comme le disait Bérangère, typiquement, les importations, du moins un certain nombre d'importations qui ont été présentées par le SDES l'ont été en net, donc net des exportations, si je ne me trompe pas. Et pareil, donc il me semble que vous avez aussi surtout mis l'accent sur les volumes, donc en terawatt-heure, alors que nous, donc l'unité de base, donc ce sur quoi ce qu'on mesure principalement, ce sont les valeurs. Donc, et cela a une incidence assez importante. Ça veut dire que vous ne mesurez que les valeurs ? Non, on mesure les valeurs et les quantités. En revanche, on publie essentiellement des valeurs. Puisque, donc, autant sur l'énergie, ça ne pose pas de problème. Pour une partie de l'énergie, je pense que ça ne pose pas de problème dans la mesure où il y a un dénominateur commun à toutes les sources d'énergie, donc le terawatt-heure. En revanche, l'énergie, c'est une composante de ce qu'on étudie. Et donc, ce passage de valeur à volume, s'il faut, par exemple, agréger de l'énergie en terawatt-heure avec, je ne sais pas, la production, les exportations agricoles de carottes, qui sont plutôt en kilos. Donc voilà, il y a ce travail d'ajustement et de trouver un facteur commun, donc un déflateur, qui permet justement de réconcilier toutes ces différentes mesures de volume. Et ça, c'est plutôt le travail que fait l'INSEE, et notamment les comptes trimestriels, je pense, l'INSEE que vous avez vu il y a quelques jours à ce sujet. Donc nous, voilà, assez spontanément, on est plus sur les valeurs, bien que l'on collecte, et c'est aussi utilisé par l'INSEE, des volumes qui peuvent être adaptés en fonction du type de bien que l'on étudie. Et donc, si on regarde les évolutions sur, depuis le milieu des années 2000, les évolutions de nos importations d'énergie, donc là, ici, le sens des mois, le secteur, le contour de l'énergie qu'on a graphé dans ce premier, donc je suis à la slide 5, correspond à une définition qui nous est propre, qui concatène à la fois donc l'énergie, donc le pétrole raffiné, le pétrole brut, les hydrocarbures de façon générale, l'électricité et puis d'autres minerais par exemple qui peuvent être reliés, qui sont reliés à l'énergie. Donc de façon assez synthétique et ne pour pas allonger les séries, donc on vous les présente de mi-2000 jusqu'aux données les plus récentes. Donc là, le premier graphique s'arrête à 2021. Il y aura le petit zoom. On parlera aussi de la conjoncture un peu plus récente sur début 2022. Sachez que si vous le souhaitez, on peut vous fournir des séries plus longues, remontant par exemple à 1993. Donc alors pourquoi 1993? C'est une question toute simple de système d'information qui font que c'est le début du marché unique. Et c'est à ce moment-là qu'on a une base de données. Ça marque le début de nos bases de données.
Donc ce sont des raisons purement techniques. Et donc l'analyse, comme je le disais, donc nous, ce qu'on commente essentiellement, ce sont des valeurs. Et ce qu'on constate en valeurs, c'est là aussi une certaine fluctuation de nos importations d'énergie depuis le milieu des années 2000. Cette fluctuation, donc, elle est en grande partie liée à l'effet prix, et c'est-à-dire qu'elle suit de façon assez proche l'évolution des cours de l'énergie, des prix de l'énergie. Et donc, c'est un peu les fluctuations que l'on observe sur cette courbe, avec notamment donc un plus fort qui a été atteint en 2012, avec un montant d'importation d'énergie de l'ordre de 94 milliards d'euros. Donc ça a été le plus haut observé depuis le milieu des années 2000, à un plus bas. Donc si on met de côté l'année 2020, année de la crise Covid, un plus bas qui a été atteint donc en 2016, avec aux alentours de 46 milliards d'importation d'énergie. Ces variations sont, comme je le disais, essentiellement guidées par les évolutions des prix de l'énergie. Donc pour pouvoir un peu contrôler de cet effet prix, si on regarde l'évolution, cette composition, cette évolution en proportion de nos importations, eh bien ce qu'on constate, c'est que la part de l'énergie dans nos importations est relativement stable. En fait, on peut observer plusieurs phases. Elle a été stable, en gros, du milieu des années 2000 jusqu'au milieu des années 2010, aux alentours de 15%. Donc elle fluctuait aux alentours de 15% de nos importations. Elle a ensuite chuté aux alentours des années 2016 pour se stabiliser donc jusqu'en 2019 autour d'une dizaine de pourcents. Depuis, donc, il y a eu la crise Covid qui a à la fois affecté la demande en énergie mais aussi les prix. Et donc, ça s'est effondré. Puis, avec le retour de l'activité économique, une reprise de nos importations énergétiques qui a été accentuée en 2022, on verra un peu plus tard, par la situation, le conflit en Ukraine, et notamment l'impact que cela a eu sur les prix et notre fourniture en gaz naturel. Une question peut-être bête, mais pour bien comprendre vos statistiques, normalement sur notamment sur les zones d'importation d'énergie. Dans vos séries, vous avez donc une première série qui s'appelle UE27, ça je cerne à peu près de quoi il s'agit. Ensuite, vous avez une série qui s'appelle Europe hors UE. Oui, donc ce sont tous les autres pays de l'Union européenne, typiquement le Royaume-Uni. Du coup, pas forcément de l'Union européenne. Voilà. Sauf l'Union européenne. Oui, alors pardon, c'est que j'ai peut-être... Donc c'est quoi ? C'est de l'Atlantique à l'Oural ? Oui, typiquement la Russie fait partie... Donc la Russie est là-dedans. Oui, oui. Donc pudiquement, les importations russes aux douanes, ça s'appelle importation Europe hors UE. Non. Voilà, c'est le zonage qu'on a retenu. Alors, je ne sais pas s'il est international, si ça répond à une. Je me renseignerai effectivement s'il n'y a pas des. Voilà, ça répond pas à un découpage, notamment partagé avec nos collègues d'Eurostat, mais c'est celui qu'on a retenu. C'est le continent européen. Mais voilà, hors Union européenne. Ça, c'est souvent. Vous savez, les notions de continent européen, ça, oui, c'est assez, dans l'histoire, ça a pu avoir des résonances particulières. Oui. Donc, vos travaux, sur, notamment sur la question de l'énergie, je comprends bien que pour des questions de somme, sur notamment la logique de commerce extérieur, on travaille en unité monétaire. Quelle est la destination interne à votre administration, ministère, de vos études, et notamment sur l'énergie ? Est-ce qu'il y a un monitoring au sein du ministère de l'économie sur ces sujets énergie qui est antérieur à la situation de crise qu'on connaît ou pas ? Alors, je ne pourrais pas m'exprimer pour l'ensemble du ministère des Finances, mais s'agissant des douanes, il n'y a pas d'analyse, en tout cas à ce jour, il n'y a pas d'analyse spécifique qui est faite de l'énergie, si ce n'est conjoncturellement, à savoir qu'aujourd'hui, on constate dans l'ensemble des publications
que l'on réalise depuis le début de l'année, que le poids de l'énergie ne cesse d'augmenter et contribue à l'augmentation du déficit qu'on observe depuis la fin 2021. Au sein du ministère en général, alors je sais qu'il y a d'autres services du ministère des Finances, donc typiquement la DG Trésor, qui peut observer de façon plus fine et concentrer sur ce type de sujet, donc les produits de l'énergie. Voilà. Je ne saurais pas vous en dire plus, mais ça fait partie, effectivement, la DG Trésor, ça peut faire partie des choses qu'ils analysent. Et donc essentiellement des données en unité monétaire. Alors, pas nécessairement. Ils ont peut-être aussi accès à d'autres données, alors qu'ils ne proviendraient pas de notre département. Mais alors, comme je le disais préalablement, s'agissant de l'énergie, alors nous sommes plus orientés vers une valorisation en euros. Mais toujours est-il que l'information est également collectée par la douane en terawattheure. Donc on fournit également au Trésor ces informations en terawattheure et effectivement, ce sont des informations qu'ils valorisent à leur niveau également. Monsieur le rapporteur. Oui. Alors, le rapporteur n'a pas le même privilège que moi, c'est-à-dire qu'il faut que votre micro soit éteint pour qu'il puisse parler. Merci de le rappeler, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour vos diverses interventions. Je reprends donc dans l'ordre, si vous voulez bien, en commençant par le SDES et en reprenant peut-être slide 18 de votre présentation pour vous poser une question très simple. D'un point de vue statistique, uniquement, est-ce qu'il est correct de dire que depuis les années 2000, je prends même depuis l'année 2000, l'indépendance énergétique au sens où vous l'entendez de la France s'est accrue ? Oui, effectivement, le taux d'indépendance énergétique de la France a cru depuis 2000. Oui, à 55. Oui. Avec des fluctuations. Jusqu'en 2021. Donc si on laisse à ce stade la situation conjoncturelle, à ce stade, du point de vue statistique, il n'y a pas de perte d'indépendance énergétique du pays depuis le début des années 2000. Non, on n'a pas les données 2022, mais effectivement, entre 2000 et 2021, il n'y a pas de perte d'indépendance énergétique. L'évolution étant liée plutôt effectivement aux évolutions plutôt tendanciellement à la baisse de la consommation avec une production primaire qui reste globalement stable. C'est ça qu'on voit dans le graphique, en fait. Je vous remercie. Un peu plus en détail, si on prend les 10 dernières années, enfin les 15, les 12 dernières années, si on prend à partir de 2012, je pense que c'est 2012 le point haut de la courbe verte du taux d'indépendance énergétique. On constate d'abord une chute et puis ensuite une reprise. Est-ce que vous avez des pistes d'explication de cette chute puis de cette reprise ? Est-ce que c'est le contre-coup de la crise économique qui explique cette évolution ? Puisque là, si je comprends bien, on est bien en terawattheure, donc on est bien en production et en consommation en termes physiques et pas en termes monétaires. Est-ce que c'est dû à d'autres éléments sur le parc nucléaire ? Est-ce que vous avez des pistes ? Moi, j'ai pas l'historique en tête. Je veux bien qu'on puisse répondre à cette question ultérieurement pour comprendre un peu ce qui s'est passé en 2012, parce que à l'époque, je ne savais pas. Mais effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'en 2012, on a une baisse de la production, alors que la consommation reste stable, vers 2013. Et donc, c'est ça qui explique la baisse du taux d'indépendance énergétique. Mais ce qui s'est passé exactement, on pourra regarder un peu dans nos archives. Merci. Je continue avec le slide 20 sur les échanges extérieurs de gaz. Donc si je reprends, en repartant de la slide 18, donc on voit que le taux d'indépendance croît de manière non linéaire, mais croît entre 2000 et 2020. Si ensuite on prend les échanges extérieurs de gaz, alors je n'ai pas forcément les bons ordres de grandeur, puisque ce n'est pas les mêmes échelles forcément en terawattheure. En tout cas, on est entre 3000, 3500 et puis là entre 400 et 700, mais si on regarde du point de vue strict des échanges extérieurs de gaz à partir des années 2000, est-ce qu'il est correct de dire que
les importations de gaz croissent sensiblement à partir de 2000 et qu'elles expliquent une partie significative de l'évolution de la dépendance énergétique du pays depuis 2000. Vas-y. Importante même avant, enfin on voit la pente, enfin de l'enveloppe, hein, quand on prend toutes les courbes empilées, la croissance est plus importante avant. Oui, je pense aussi que c'est que le gaz, c'est les importations brutes cette fois-ci. Je pense que c'est un peu compliqué d'en tirer les conclusions, sur l'indépendance énergétique là. Enfin, il faudrait creuser un peu plus. Parce que si on... Pardon. Ce sera présenté notamment par Eurostat, mais du côté d'Eurostat en général, on présente plutôt le taux d'import net, hein, qui est un peu le contraposé voilà, de notre taux d'indépendance énergétique. Mais du coup, voilà, on a quand même l'ensemble des importations. Donc là, c'est vrai qu'on est quand même vraiment que sur le gaz. Ouais. On n'est pas en net, donc c'est pas simple quand même totalement de faire le lien direct entre uniquement cet indicateur et l'évolution du taux d'indépendance. On pourra peut-être vous apporter voilà, des précisions là aussi sur les évolutions, les contributions, mais c'est vraiment dans la structure effectivement de la production qu'il faut regarder. Je vous remercie. Sur cette slide, une dernière question de détail, mais qui a été largement épuisée par la précaution méthodologique que vous avez apportée sur les pays d'origine, qui porte sur cette barre verte qui apparaît à partir de 2000 sur les autres pays indéterminés. Est-ce qu'elle s'explique par la multiplicité du nombre de pays, par la difficulté à observer l'origine? Parce que j'ai pas fait le calcul, mais là, en voyant ici, ça représente presque 20% de nos importations de gaz, cette partie autre et indéterminée. Un petit peu tout à l'heure, en fait, et c'est surtout important en 2020, c'est aussi parce que la place des marchés dans les approvisionnements en gaz est plus importante. Il y a quand même, je crois, près de 80% des importations de gaz qui sont encore par contrat, des contrats à long terme, moyen long terme, et il y a quand même une partie qui est importante, qui est plus importante ces dernières années, en tout cas, que ce qu'elles étaient au début des années 90, d'achats de gaz sur le marché. Donc je pense que c'est beaucoup lié à ça. Et c'est vrai que 2020 a été l'année où il y a eu le plus d'échanges sur les marchés. Et aussi, il y a une diversification aussi des approvisionnements. Comme il y a plus de GNL, gaz naturel liquéfié, il y a plus des provenances un peu diverses et qu'on ne retrace pas nécessairement dans les statistiques, quoi. Parce que nous, on interroge les ports méthaniers. Certaines origines ne sont pas connues, on n'a pas forcément toute l'information. On essaye de faire des efforts pour bien les retracer, mais voilà. Et donc, si on part de cette idée qu'il y a un plus grand nombre de pays auprès desquels on importe du gaz et qu'on regarde aussi la courbe depuis les années 2000, est-ce qu'il est correct de dire que notre... vulnérabilité, ou en tout cas la diversité des fournisseurs de gaz s'accroît, et que donc notre vulnérabilité à un pays en particulier a plutôt tendance à décroître? Oui, il y a clairement plus de pays dont on importe du gaz. Donc on dépend moins, en théorie, d'un seul pays. Ensuite, on a quand même, on a quand même 30% de nos imports de gaz qui viennent de Norvège. Donc on dépend de Norvège quand même. Est-ce que vous disposez d'éléments pour 2022 avec cette granularité-là? Alors, en fait, on a des données mensuelles, mais on consolide tout en fin d'année quand on fait. Donc, je pourrais vous donner des choses début d'année 2023. Mais là, c'est trop tôt pour. On collecte pour l'instant, mais on ne consolide pas. Donc, notamment auprès des fournisseurs, pour enlever du transit, des choses comme ça. C'est un exercice annuel, plutôt. Les méthodologies sur le gaz ne sont pas exactement calées en annuel et mensuel. Donc c'est deux exercices un peu différents, même si on utilise les données collectées mensuellement pour faire l'exercice annuel. Et, pardon, si on se contente de données non consolidées, qu'est-ce que vous pouvez dire sur les importations mensuelles de gaz et est-ce que vous voyez une évolution avant et après les sanctions prises? C'est impressionnant, il y a beaucoup, le gaz gazeux, les importations de gaz gazeux, elles s'effondrent
J'ai pas en tête les chiffres exacts. Et d'un autre côté, les importations de GNL, liquéfié, de gaz naturel liquéfié progressent énormément, ce qui permet voilà, d'assurer une diversification des approvisionnements beaucoup plus importante. Et on n'a pas quasiment, enfin au mois d'août là, il y a quasiment pas eu, enfin il y a quasiment pas de gaz russe, enfin il y a plus de gaz russe, donc ça a complètement changé le profil des importations. Et c'est vrai que c'est étonnant, en très peu de mois, il y a vraiment eu un changement très net. Après, pour faire le bilan vraiment de l'année 2022, voilà, il faudra attendre le début de l'année 2023. Juste pour donner des chiffres, effectivement, au troisième trimestre 2022, on voit une baisse de près de 80% des entrées de gaz naturel gazeux. Donc c'est quand même assez important. Et sur, oui, sur un an, pardon, par rapport à l'année dernière, et une augmentation du coup de 170% des entrées nettes de gaz naturel liquéfié. Et donc, effectivement, le GNL, ça vient des États-Unis et du Qatar. Donc, c'est, ça diversifie aussi nos fournitures de gaz. Sur ce dernier point, est-ce que ça veut dire que... Enfin, est-ce que notre capacité à substituer... alors, c'est en termes physiques, là, hein, pas en termes monétaires, mais est-ce que c'est ce que vous venez d'expliquer souligne notre capacité à substituer rapidement du gaz russe à du gaz d'origine étrangère et donc... pourrait conduire à dire que le gaz russe, que la dépendance au gaz russe qui est réelle en quantité est assez substituable avec d'autres fournisseurs de d'autres pays. Oui, il faut être un peu prudent, effectivement. Enfin, je pense qu'il faudrait déjà attendre qu'on ait au moins consolidé les données en annuel et puis qu'on ait aussi précisément les origines du GNL. Donc c'est sûr qu'il y a d'autres pays, il y a le Qatar, il y a les États-Unis, mais voilà, la Russie peut importer aussi sous autre forme son gaz. Enfin, je pense qu'il faut, avant d'en tirer des conclusions, faut qu'on puisse mettre tout ça à plat. Il faut que les entreprises s'organisent pour avoir de nouveaux fournisseurs. Ça peut aussi modifier les prix d'import qui peuvent être plus chers, etc. Enfin, voilà, donc c'est pas la substituabilité, elle est plus potentielle, mais après, dans les faits, je pense que ça prend un certain temps d'adaptation quand même. Précision. Effectivement, ce qu'a dit Katie est totalement vrai. Ce qu'on peut quand même constater, c'est une augmentation, mais là, ça a été dit également par le SDES, une augmentation assez forte des importations de GNL de l'origine en provenance des États-Unis. Donc voilà, ça, pour le coup, c'est assez factuel. On constate une baisse des importations en gaz gazeux, une augmentation, mais assez forte, des importations de GNL. Alors donc au niveau monétaire, mais on pourra vous le sortir en terawatt-heure, mais en niveau monétaire, l'augmentation sur un an du GNL a été, donc on compare le troisième trimestre 2022 au troisième trimestre 2021, ça a été un facteur 10. Donc il y a effectivement un effet prix, mais il y a également un effet volume. Et sur encore plus longue période, là encore, alors qu'on compare par exemple sur, alors je crois qu'on la comparaison qu'on a faite c'était sur par rapport au milieu des années 2010, on est sur un facteur quasiment 20 de l'augmentation de nos importations de GNL. Donc c'est un phénomène qui a été assez soudain, assez rapide, mais qui a d'une certaine façon, quand on regarde simplement les terawatt-heure, quoi, il y a quand même une espèce voilà, de montée en puissance des importations de GNL en provenance des États-Unis notamment. Je vous remercie. Peut-être une dernière question pour le test sur la partie stock. Est-ce que vous pourriez nous dire en ordre de grandeur ce à quoi ça correspond en termes de en rapport à la consommation comment dirais-je, combien de temps ça nous permet de tenir et pour quelles installations, même si j'ai bien conscience que la question est probablement insoluble. Il faut faire le petit calcul entre les 137 terres.
aussi, on pourra peut-être vous apporter des éléments précis. Voilà. Pas faire de calculs trop rapides qui pourraient conduire à donner des ordres de grandeur erronés. Mais on a bien entendu votre question. Oui, merci. Je vous remercie pour votre exposé. J'ai une question qui concerne la slide 23 et la facture énergétique. Donc, si je comprends bien, au travers des années, on a souvent eu une facture énergétique qui dépendait principalement du pétrole brut. Mais alors, comment est-ce que vous liez justement cette facture à la dépendance ou indépendance ? Est-ce qu'il y a un lien ou finalement, est-ce que si la source primaire d'énergie est disponible, peu importe quel prix, on considère qu'on est quand même indépendant de pouvoir se la fournir à partir du moment où on peut la payer. Et comme on voit en fait juste sur ça, la fin de courbe, que ça commence à changer un petit peu et que justement d'autres facteurs comme la disponibilité de matériaux pour la production de ces sources, de ces sources primaires ou même les enjeux géopolitiques viennent interférer. Est-ce qu'on peut considérer qu'on aurait pu anticiper cela de manière plus fortement ou est-ce qu'on est vraiment un tournant aujourd'hui de la façon dont il faut gérer cette indépendance et énergétique par rapport à comment on a pu la gérer depuis les décennies précédentes. Je vous remercie. Donc sur la facture énergétique, donc là on est pour le coup, on est bien effectivement valeur en milliards d'euros. Donc c'est vrai qu'il y a une dépendance, il y a des fluctuations assez importantes, telles qu'on les voit, qui sont notamment pour le pétrole, c'est fortement lié au prix, des effets prix. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même une des grosses, des gros facteurs, voilà, explicatifs, des fluctuations que l'on observe, comme on les observe aussi là pour en fin de période. Donc voilà. Donc, répondre à votre question sur le. En termes de souveraineté ou de gestion, là, je pense que c'est pour le coup. Non, mais effectivement, ce qu'on voit, c'est que c'était beaucoup le pétrole qui influait l'évolution de la facture énergétique et que là, en 2021, finalement, c'est le gaz qui. C'est le gaz naturel qui fait évoluer, mais pas que. Enfin, c'est l'évolution du gaz naturel, des produits raffinés, du pétrole aussi. Enfin, voilà, c'est tout. C'est l'ensemble de ces trois sources d'énergie qui jouent plus sur la facture. Ensuite, les conclusions qu'il faut avoir sur la gestion de la dépendance énergétique, je pense que ça dépasse un peu le cadre des compétences du SDES et que c'est à la DGEC d'avoir un avis dessus. Vas-y, j'aurais une question après pour les douanes aussi. Une question pour les douanes sans malice, mais est-ce que, de ce que je comprends de ce que vous nous avez dit en appui à la slide 4, le principal service en charge de mesurer les approvisionnements du pays n'a pas de mesure de la vulnérabilité des approvisionnements, y compris énergétiques, et cette demande n'a jamais été formulée par le gouvernement au sens large et donc par l'État depuis la création du service, et il n'y a aucune mesure de la vulnérabilité des approvisionnements sous forme statistique. On a donc des données qui permettraient de calculer ces indicateurs. C'est juste que il faut le mettre sous forme d'un indicateur en quelque sorte, en gros. Enfin, cet indicateur. Voilà, c'est un concept un petit peu mathématique, j'allais dire, mais après, les données sur les imports par pays, par produit, etc., existent depuis très longtemps et sont diffusées depuis très longtemps par notre service, en fait. Pardon. Mais sans aucunement vous demander de rompre votre devoir de réserve en tant que chef de ce service, ça ne vous semble pas étonnant ou problématique que les douanes françaises ne soient pas en mesure de mesurer statistiquement la vulnérabilité et la criticité d'approvisionnement dans des matières comme l'uranium, les métaux rares ? Enfin, oui,
il me semble qu'on a, on a les éléments, enfin, on a les éléments pour le faire, en fait. Je, c'est juste que ces indicateurs-là, ils sont... c'est, enfin, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail mathématique, mais on a toutes les données sur les importations de tous ces produits, en fait. Enfin, en fait, ce qui vous importe, c'est d'avoir un indicateur synthétique, c'est ça, enfin, quelque chose qui résume... parce que là, par exemple, enfin, sur la part des produits, enfin, la part de tel pays dans les importations de tels produits, ça, ce sont des données qu'on a et qu'on diffuse depuis longtemps, en fait. Ce serait le calcul mathématique de l'indicateur qui est concrètement la somme des carrés, des poids, des différents produits, etc. Mais sinon, enfin, les données de base, on les suit bien, quoi. On les suit. On est bien sur une question de mise en forme des données. De mise en forme, d'accord. C'est-à-dire qu'on a bien compris que la vulnérabilité, la criticité, la souveraineté, enfin, appelez ça comme vous voulez, ouais. on peut se mettre d'accord sur une définition statistique et mathématique, oui, et la mesurer. Oui, mais d'accord. Ce travail de définition statistique n'a pas été fait, du coup, dans... Enfin, c'est-à-dire que... C'est pas... ouais, ça peut vouloir dire simplement que la commande n'a pas été posée, mais... Oui, enfin, oui, effectivement, de se dire, on se focalise sur, justement, les produits vulnérables faire un suivi spécifique, un zoom spécifique et permanent des produits vulnérables, en quelque sorte. Ouais, c'est, bah, à ma connaissance, enfin, moi, je ne suis pas là depuis assez longtemps pour le dire, mais à ma connaissance, je ne pense pas qu'on ait un suivi spécifique des produits vulnérables depuis longtemps. Enfin, Pardon. C'est une thématique qui a émergé principalement après la crise Covid. Voilà, donc on s'équipe de façon à pouvoir suivre ce genre de thématique. Mais comme le disait fort justement Katie, toujours est-il qu'on regarde de façon assez finement les pays à partir desquels on se fournit. Et parmi les différents critères qui permettent de juger de la vulnérabilité, la capacité à avoir une certaine diversité dans les pays d'approvisionnement, ben, c'est le premier critère de notre indicateur de vulnérabilité. Donc, en réalité, les données sont là. Et effectivement, il y a la question de mise en forme qui se pose. Mais voilà, ce sont des choses que l'on suit, alors non pas au travers d'un indicateur synthétique, mais de façon un peu plus frusque, du moins de façon un peu plus traditionnelle, on va dire, en regardant les différentes parts, par exemple, de chacun des pays desquels on importe des produits énergétiques. C'est une information qui est mise à jour tous les mois sur notre site. On suit la part des pays importateurs d'énergie. Voilà, ce sont des indicateurs que l'on suit, mais qui ne sont pas résumés en un seul. S'il n'y a pas de mise en forme synthétique, comment le décideur public, en l'occurrence les ministres compétents, peuvent-ils juger de la criticité d'un approvisionnement ? Alors, là encore, hein, je ne connais pas le circuit de décision, mais j'imagine qu'il y a d'autres directions au sein du ministère des Finances qui regardent ce genre de choses. Voilà, je ne peux pas apporter plus d'informations que simplement vous dire qu'à notre niveau, c'est une information que l'on a, donc, et qu'on publie de façon régulière, donc la part des différents pays desquels on importe des produits énergétiques. On regarde son évolution d'une année sur l'autre. Donc, c'est quelque chose qui est disponible, qui est mis en ligne. Ensuite, s'agissant de la décision politique, je n'ai pas d'informations particulières à vous apporter là-dessus, si ce n'est de vous dire qu'il y a peut-être potentiellement d'autres directions au sein du ministère des Finances qui regardent ce genre de choses. Merci. Une dernière question sur ce sujet. Dans le dernier point de votre slide, vous dites à ce jour, il n'y a pas d'application de la notion de vulnérabilité au champ des biens énergétiques. Est-ce que ce travail est en cours ? Est-ce que la commande a été passée par votre administration et le ministère ou pas ? On n'a pas eu de commande formelle sur le sujet, non. Mais c'est vrai que... Enfin, nous, on pense que ce serait intéressant, effectivement, est utile d'essayer de le calculer. Après, il peut y avoir toujours... Enfin, en tout cas, le premier critère, ça, c'est sûr. Hein, le critère de concentration, on a tout ce qu'il faut. Le deuxième, ça dépend des données internationales aussi. Et donc, on voit bien la notion, comme on disait tout à l'heure, de fournisseurs, de pays d'origine, etc., qu'il faut traiter aussi. Donc, c'est pour ça que c'est pas presse-bouton et qu'on n'a pas pu vous le produire. Sinon, vous l'aurez sorti dès maintenant dans les diapos. Mais en tout cas, oui, on va regarder ça, ouais.
Globalement, ça veut dire qu'il n'y a pas l'écran de contrôle, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on étudie un peu au doigt mouillé, en se disant, tiens, on voit la part de tel pays augmenter, mais on n'a pas formellement l'outil statistique qui permet, une fois par mois, de se dire, attention, il y a une alerte qui est en train de se créer, et il faut qu'on y fasse attention, il faut peut-être qu'on vérifie si les paramètres sont bons, il faut qu'on y travaille. Il n'y a pas l'alerte automatique, en fait. On est... La statistique publique ne fait pas ça en général, enfin, que ce soit l'INSEE ou les autres SSM, à ma connaissance, ne mettent pas des alertes sur tous les indicateurs qu'ils produisent. Non, mais vous produisez des alertes, c'est-à-dire que la raison même de la mesure du commerce extérieur, c'est une façon de construire une alerte. C'est juste une alerte plus ou moins fine. Et l'alerte sur la dépendance ou l'interdépendance énergétique, elle n'existe pas. Elle peut être facilement créée, ça je l'entends. Encore faut-il se mettre d'accord sur les critères. Et c'est pas si simple que ça. On voit bien dans ce que vous dites que c'est pas si simple que ça de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'un pays fiable, qu'est-ce qu'un pays non fiable, etc. C'est un choix politique aussi, mais... bon. Okay. Moi, j'ai une petite question. Alors, sur... si je peux réagir à vos propos. Alors, dire que c'est un indicateur au droit mouillé, je pense que c'est quand même aller un peu loin. En réalité, c'est des informations qui sont précises. Ce n'est pas une information... je trouve que on est dans un processus où on regarde quand même et on publie des données assez précises sur les évolutions, le nombre, l'évolution des parts des différents pays importateurs d'énergie. On le regarde aussi à un niveau relativement fin, donc de la nomenclature, donc doigt mouillé. Voilà. C'est simplement qu'on n'a pas d'indicateur, donc effectivement, si vous parlez de tableau de bord, ça parle mieux. On n'a pas un indicateur synthétique. Il faut aussi avoir en tête que la constitution de cet indicateur synthétique, donc bien qu'on ait la méthode, en réalité, à implémenter, à mettre en œuvre, n'est pas aussi simple que cela. Vous parliez notamment d'une implémentation mensuelle. Cette implémentation mensuelle, à l'heure d'aujourd'hui, elle n'est pas possible, puisque notamment, il nous faudrait l'information sur les exportations mensuelles, les parts de marché mensuelles de chacun des pays, notamment pour le second critère, donc pour mesurer le poids dans les exportations mondiales d'énergie des pays dont on suppose qui pèsent, qui ont un poids important dans nos importations d'énergie, c'est une information dont on ne dispose pas. Donc il y a aussi la question de la faisabilité. Et donc, sans aller jusqu'à dire que c'est du doigt mouillé, ce qu'on réalise, c'est le mieux qu'on puisse faire en fonction des données dont on dispose, la deuxième partie du critère n'étant pas à notre disposition. Et donc, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, vous avez parlé de faisabilité. Est-ce qu'il y a une étude de faisabilité en cours ? Pas sur l'énergie à proprement parler, mais lorsqu'on a réalisé l'étude que Kitty a citée sur les vulnérabilités de nos importations en provenance de Chine, on a été confronté à un certain nombre de difficultés, ne serait-ce que le niveau de finesse. Alors, je crois que c'est Madame qui soulevait un sujet qui me semble, moi, assez important, celui de la vulnérabilité par produit. Est-ce qu'on considère qu'on est vulnérable sur l'ensemble des importations énergétiques, ou on essaie de regarder, est-ce qu'on est vulnérable s'agissant du gaz, s'agissant du pétrole raffiné, à un niveau relativement fin. Les données qu'on a pu collecter pour notre étude sur la Chine, est un niveau d'agrégation tellement important que typiquement on ne pourrait pas l'appliquer, on ne pourrait pas faire le distinguo entre GNL et gaz liquéfié. Voilà, on est à un niveau suffisamment très agrégé qui ne permettra pas d'avoir un indicateur très fin. Donc c'est vraiment pour attirer l'attention sur le fait que la méthodologie en tant que telle n'est vraiment, c'est pas simplement on crée un programme et en quelques jours, c'est fait. Il y a aussi toute cette phase d'analyse qui est à faire. Moi, j'ai juste encore une question sur plus factuelle, sur l'électricité. Est-ce que il y a des mouvements notables sur les
les pays limitrophes avec lesquels et l'évolution des échanges électriques avec ces pays dans un sens ou dans l'autre. Parce que voilà, on voit bien que la courbe a un mouvement faible, mais est-ce qu'au sein de ce mouvement faible, aux frontières extérieures, le câble vers lequel ça part, il y a des variations notables dans les dernières années. Alors, déjà une réponse, alors peut-être pas sur les dernières années, mais sur les derniers mois. Ce qu'on mettait dans notre publication, donc trimestrielle, c'est effectivement le fait que en importation nette, voilà, en gros en solde commercial, on a ce trimestre-ci davantage importé depuis le Royaume-Uni. Donc effectivement, hein, les soldes, en tout cas les pays desquels on importe de l'énergie et notamment de l'électricité, ben, ça peut varier d'un mois sur l'autre. Et ce trimestre-ci, ce qu'on a noté, c'est vraiment les importations en provenance du Royaume-Uni, ce qui a fait basculer notre déficit vis-à-vis du Royaume-Uni d'un excédent à un déficit. Donc voilà, la bascule était suffisamment importante. En tout cas, les importations étaient suffisamment importantes pour faire basculer le signe du solde ce trimestre. Et avec l'Allemagne ? On a des statistiques. Alors, je n'ai pas en tête. Je ne l'ai pas en tête. Bon, ce n'est pas grave. Si quelqu'un les a là, sinon, vous les demanderez ultérieurement. Nous, on a le chiffre 2021, donc avec une baisse de 45% du solde exportateur vers l'Allemagne, mais du coup on n'a pas le détail sur l'évolution sur le long terme, donc je pense que c'est des données qu'on a, mais qu'on pourra vous renvoyer plus tard. Ça varie quand même beaucoup, hein, d'une année sur l'autre, voilà, ça peut varier beaucoup. Ouais, c'est des séries qui peuvent nous intéresser. Toute dernière question pour vous, parce qu'elle est dans les slides du SDES, mais je vois source Eurostat, donc ça pourrait en concerner d'autres. C'est la slide 41 sur le taux de dépendance énergétique en comparaison européenne. Poser deux questions, une de méthode pour savoir comment vous avez sélectionné les pays que vous indiquez sur le tableau, enfin sur le graphe. Et puis la deuxième, donc c'est le taux de dépendance, hein, et pas d'indépendance. Donc plus c'est bas, plus on est indépendant. Et la deuxième, de vous demander si à l'aune de l'ensemble des pays de l'Union européenne, c'est bien le SDES ou j'ai pris les douanes ? Non, c'est bien le SDES. Vous demander si, alors parce que si ce qu'on lit sur ce tableau-là, sur ce graphe-là, s'applique à l'ensemble des pays, c'est-à-dire que dès lors qu'on exclut des pays très spécifiques avec des ressources, enfin de taille modérée et de taille de population modérée avec des ressources énergétiques très fortes sur leur territoire, Islande, Suède et Danemark, la France a le taux de dépendance énergétique le plus faible de loin. Et du coup, si on enlève ces pays-là, ça fait, j'imagine, encore monter le taux de dépendance énergétique de l'UE. Et donc, la France est très bien positionnée. Alors, peut-être juste UE27, c'est l'ensemble des pays, hein. C'est pas forcément que les pays représentés là. Enfin, c'est l'ensemble des pays de l'Union européenne, oui. Les pays, j'ai choisi plutôt des pays proches de la France. Enfin, voilà, c'est un peu aléatoire. J'ai pas mis la Norvège qui rentrait pas sur le graphique parce que pour le coup, elle est très, très, très peu dépendante. Elle est, parce qu'elle est vraiment exportatrice d'énergie. Et effectivement, la France est un des pays qui a le plus bas taux de dépendance énergétique d'Europe, si on exclut, comme vous le disiez, l'Islande. Mais voilà, mais c'est lié à la production nucléaire qui est importante en France. Et donc, comme on considère que la production nucléaire, c'est de la production nationale, ça fait qu'on a un taux de dépendance énergétique plus faible que d'autres pays qui sont plus dépendants du gaz ou du pétrole. Est-ce que... Une question ? Non. Auquel cas, je propose de passer à la suite avec donc Eurostat et l'Agence internationale de l'énergie. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. L'Eurostat, peut-être, ça me semble plus logique dans la progression. Oui, très bien, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur et Mesdames les députés. Merci pour l'invitation. On dit toujours que nous informons les
décision politique et nous voilà, vous vous intéressez aux statistiques. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, juste pour donner un peu un aperçu, nous représentons Eurostat ici. C'est l'Office des statistiques de l'Union européenne. Et notre but, c'est de fournir des statistiques comparables pour l'Union européenne. Mais nous sommes strictement indépendants, comme tous les offices des statistiques. Donc, on n'intervient pas aux questions politiques. Juste pour donner aussi notre couverture géographique, parce que c'était un sujet, on publie des statistiques mensuelles et annuelles sur l'Union européenne et aussi sur l'espace économique européen, plus les pays candidats d'adhésion et les candidats potentiels. Actuellement, il n'y a que des pays candidats, plus les membres de la communauté énergétique. La communauté énergétique, c'est un traité international de certains pays avec l'Union européenne dans la matière des énergies, et ça couvre aussi produire les statistiques selon notre méthodologie. Et juste pour vous donner un exemple, aussi la Géorgie, la Moldavie fait partie de cette communauté énergétique, mais pas la Russie. Pour nous, la Russie, ça reste, c'est un pays tiers. Et sur notre site, vous pouvez trouver tout, les tableaux, les graphiques, les visualisations. Vous trouvez les bilans énergétiques, c'est le plus important pour pouvoir comparer les pays. Les statistiques annuelles et mensuelles par famille de combustible. Aussi, les grands indicateurs énergétiques, comme par exemple la dépendance aux importations. Mais on publie aussi des statistiques sur les prix pour le gaz naturel et l'électricité. Et, et ça par semestre. Et on diversifie, on fait une différence entre résidentiel et non résidentiel. Et nos partenaires pour la production de ces statistiques, c'est les STS. Ce n'est pas l'INSEE en France. Donc, c'est eux, en fait, qui fournissent nos données, et nous, pour la France, bien sûr. Et dans d'autres pays, c'est organisé un peu différent. Donc, ça dépend de chaque pays. En plus, pour la plus grande partie de nos statistiques, on a des questionnaires partagés avec l'Agence internationale énergétique. C'est aussi une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les méthodologies sont comparables. Maintenant, je voudrais commencer de parler un petit peu sur le plan législatif parce qu'on a, à partir de cette année, on a un amendement important au règlement qui gouverne la collection des statistiques énergétiques. Et déjà pour l'année 2022, on va avoir deux changements très importants. Le premier, c'est on va produire les statistiques plus détaillées sur les énergies renouvelables, sur l'électricité et aussi sur la consommation pour les activités de transport et pour les services. Et en plus, on va produire des nouvelles statistiques pour couvrir des nouveaux phénomènes, comme par exemple l'hydrogène, les batteries, la consommation de l'énergie dans les centres de données, etc. Mais évidemment, avec l'évolution au développement géopolitique et l'invasion injustifiée de l'Ukraine par Russie, ça a accéléré nos travaux et quand même influencé beaucoup ce qu'on sur quoi on met notre attention. Et je voudrais partager avec vous deux nouveaux indicateurs qu'on a publiés. Le premier est notamment un indicateur qui permet
de mesurer la dépendance énergétique aux importations, et ça pour le pétrole et les produits pétroliers et le gaz naturel. Et on fait une distinction entre l'origine. Donc on publie ça pour les fournisseurs les plus importants. Et deuxièmement, Eurostat est actuellement chargé de collecter ou de surveiller les mesures de réduction de demande de gaz auxquelles vous avez fait référence, Monsieur le Président. Donc, maintenant, je voudrais passer à vous présenter quelques statistiques européennes pour mettre ce qu'on a discuté sur la France un peu en contexte. Dans la contribution écrite, on a quand même sélectionné les grandes économies, parce que c'est peut-être plus intéressant pour vous. Mais maintenant, dans le discours oral, je vais montrer un peu la diversité dans l'Union. Donc, pour nous, les dernières données annuelles définitives, qui sont vraiment fiables, dont nous disposons, c'est toujours l'année 2020. C'est un peu dommage, parce que bientôt, avant Noël, on va publier les données pour 2021, c'est-à-dire les bilans énergétiques, et plus de détails, ce serait plutôt en janvier. Et pour l'année 2022, on a quand même des statistiques mensuelles ou des indications partielles. Donc, maintenant, quand je présente les chiffres, c'est plutôt basé sur l'année 2002, mais les changes, 2020, pardon. Mais ça donne quand même une image assez correcte. Donc, dans l'Union européenne, la plus grande part de l'énergie disponible brute était représentée par le pétrole et les produits pétroliers, avec plus de 34%, suivi par le gaz naturel, presque 24%. Puis, les énergies renouvelables avec plus de 17%. Après, c'est l'énergie nucléaire avec presque 13%. Et enfin, les combustibles solides fossiles comme le charbon avec plus de 10%. Et du côté de la production d'énergie, on a presque 41% en renouvelables. Et plus que 30% était la chaleur nucléaire. Et après arrive la chaleur nucléaire. Et les combustibles fossiles arrivent après, avec 15% de charbon, 7% de gaz naturel, 4% de pétrole et de produits pétroliers. J'arrondis les chiffres, hein, parce que si je commence à partager les chiffres au virgule près, c'est peut-être pas l'idéal. Donc, l'année 2020 était quand même une année assez intéressante, parce que c'était la première année où l'Union européenne a utilisé plus d'énergie renouvelable que d'énergie fossile pour produire de l'électricité. Et par contre, c'était aussi un peu l'effet Covid, parce qu'on voit déjà dans les chiffres préliminaires pour l'année 2021 que ça a changé encore une fois. Et ce sont toujours les énergies fossiles qui ont repris la première place. Et la production de l'électricité par le nucléaire était restée plus ou moins stable. Quand on regarde un peu les combustibles, on voit qu'au cours des années, le charbon a perdu beaucoup, le pétrole aussi, et par contre, les renouvelables ont été en forte progression. Mais les pays dans l'Union sont très, très, très divers. La France, évidemment, c'est le secteur nucléaire. En Pologne, c'est toujours le charbon. Et en Suède,
Ça, c'est vraiment notre star en ce qui concerne les énergies renouvelables, avec plus de 60% de son énergie de l'énergie disponible brute provenant des énergies renouvelables. Par contre, pour les Balkans occidentaux, c'est toujours le lignite qui n'est pas un combustible très très sain, qui représente une part majoritaire. Mais maintenant, je voudrais parler de la dépendance énergétique aux importations. Ça peut vous intéresser concernant la souveraineté. Mais il ne faut quand même pas... Oui, je vais d'abord parler des chiffres et après, on peut discuter comment les interpréter. Donc, nous, on définit, Eurostat, on définit cette dépendance énergétique aux importations comme le rapport entre les importations net avec l'énergie brute disponible. Donc nous exclusons tout ce qui est transit. Ok. Donc c'est vraiment on regarde l'énergie totale pour toutes les activités sur le territoire d'un pays. Et ce qu'on voit entre les années 90 à 2019, la dépendance énergétique de l'Union au total a fortement augmenté de 50% au plus de 60%, mais cette dépendance a baissé en 2020. Mais on croit que c'est aussi un effet Covid, pandémie, parce qu'on voit déjà dans les chiffres préliminaires, ça ne va pas rester comme ça. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que principalement dans les pays européens, la consommation énergétique est restée plus ou moins stable. Par contre, la production nationale a baissé presque partout. C'est lié avec les décisions politiques, plus ou moins. Et changement de mix énergétique. Changement de mix énergétique. Mais ici, on voit aussi des grandes différences entre les pays de l'UE. Par exemple, les îles, la Malte, la Chypre, sont presque entièrement dépendantes de l'extérieur. Pour leur énergie, c'est pas étonnant. Les grandes économies comme l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne ont tous des taux de dépendance supérieurs à 60%. Donc c'est beaucoup plus élevé que la France qui n'atteint que 44,5%. Mais par contre, il y a des pays qui sont beaucoup plus bas, comme la Suède, la Roumanie, l'Estonie, qui n'importent que autour de 10% de leurs besoins d'énergie. Et quand on regarde un peu plus dans les détails des combustibles, on voit quand même aussi des différences. Pour le pétrole, là, l'Union européenne dépend pratiquement entièrement des importations. C'est plus de 95%. J'ai vécu en Belgique, donc je dois traduire de 95. 95, voilà. 95% en 2020. Et là, dans cette année-là, les principaux fournisseurs étaient la Russie, la Norvège, le Kazakhstan, les États-Unis et l'Arabie saoudite. Pour les gaz naturels, c'est aussi assez élevé. Donc, le taux de dépendance est de presque 84% en 2020. Et le fournisseur principal, c'est vraiment la Russie. Et uniquement après, il y a d'autres fournisseurs. C'est la Norvège, l'Algérie, le Qatar ou les États-Unis. Par contre, en 2022, donc, cette année, on voit déjà que ces importations en provenance de la Russie ont fortement baissé. C'est bien sûr lié aux sanctions que l'Union a décidées. Pour
Là, oui, le taux de dépendance énergétique est plus de 57%. Toujours élevé, mais beaucoup moins que pour le gaz et pour le pétrole. Et la raison est tout simple, parce qu'on produit encore beaucoup en Union européenne, surtout en Pologne et en Tchéquie. Et voilà, les importations de Russie, à partir de Russie étaient assez importantes, mais ça a complètement changé après les sanctions. Mais dans le contexte de cette invasion de la Russie dans l'Ukraine, l'Union européenne a réagi très vite. Donc je voudrais souligner quatre objectifs principaux. On a, depuis mars de cette année, on a le plan Repower EU et il vise à accélérer notre transition vers un mix énergétique moins dépendant des importations des pays tiers, entre guillemets, de la Russie, bien sûr. Et il y a aussi un double objectif, c'est quand même accélérer la transition verte. En plus, depuis août dernier, le Conseil a décidé un règlement qui vise à la réduction de la demande pour les gaz naturels au niveau européen. Et ça, on surveille tous les deux mois et on a déjà les premières données. Et en juin dernier, le Conseil a aussi fixé des objectifs minimaux en termes de stockage de gaz. Vous avez mentionné le stockage de gaz parce que l'année passée, c'était assez bas. Mais cette année-ci, l'objectif était pour avant octobre et tous les pays ont atteint cet objectif. Et pour finir, finalement, on compte toujours à verdir notre économie grâce au pacte vert, donc il ne faut pas oublier ça. Ça, c'est l'objectif long terme, mais on voit quand même une accélération importante à cause du développement géopolitique. Et avec ça, je pense que je peux finir. Ça donne un peu le contexte et je suis prête à répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup. On va laisser peut-être l'Agence internationale de l'énergie faire un petit propos introductif, comme ça on pourra mêler les questions. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et merci aussi pour l'invitation. C'est un grand plaisir pour nous d'être ici aujourd'hui et d'avoir cette opportunité de vous présenter un peu ce qu'on fait à l'Agence dans l'équipe de la World Energy Outlook. Juste quelques mots sur l'agence en elle-même. Donc, c'est une agence internationale qui a été créée en 1974, donc à la suite de la première crise pétrolière. Et donc sa mission d'origine, c'était d'assurer justement la sécurité d'approvisionnement énergétique de ses pays membres. Et notamment, une des règles fondamentales pour devenir membre de cette institution, c'était d'avoir au moins 90 jours assuré pour sécuriser la consommation de pétrole sur le territoire, les territoires nationaux. Ça, c'était un des mandats. Le deuxième mandat, c'était aussi de favoriser la coopération entre les différents pays membres. Donc aujourd'hui, la mission de l'agence, c'est de façonner un avenir énergétique sûr et durable pour tous. Et donc, au sein de cette mission, nous avons évidemment toujours la sécurité d'approvisionnement et la coopération qui sont toujours au cœur de cette mission. Mais en plus de cela, nous avons par exemple la lutte contre le changement climatique. Plus concrètement, et je vais répéter ce qu'a dit ma collègue d'Eurostat, notre mission, c'est d'informer les gouvernements et les autres parties prenantes sur les tendances historiques, actuelles et futures du secteur énergétique, en publiant des rapports, en présentant nos travaux et en soumettant des recommandations. Juste aussi quelques mots sur le World Energy Outlook. Donc, dans la suite, on va appeler ça VEO. Donc, ce sont les perspectives mondiales de l'énergie. C'est une publication annuelle qui utilise les dernières données disponibles
pour analyser les tendances du système énergétique, ses émissions de CO2 et de méthane donc associées et les impacts environnementaux et sur le climat. Et comme pour toutes les analyses conduites à l'agence, on suit ce qu'on appelle une approche toute énergie et toute technologie. Et ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on essaye, on s'efforce d'être le plus impartial possible, tout en prenant compte bien sûr des préférences nationales, mais on ne va pas essayer de pousser pour avoir vers un carburant, un combustible en particulier ou une technologie en particulier. Un autre aspect important de la méthodologie employée dans le rapport VIO, c'est l'analyse de scénarios. Donc ça, on va, par rapport à tout ce qui a été présenté un peu avant, nous, ce qu'on fait, c'est des scénarios. Ça ne veut pas dire qu'on ne publie pas du tout de statistiques. On a aussi beaucoup de chiffres publiés dans nos rapports. Mais on a cette approche qui permet d'informer les parties prenantes sur des futurs plausibles du système énergétique. Donc cette année, on a construit 3 scénarios. On a le STEPS, qui inclut toutes les politiques annoncées et qui nous permet de mieux comprendre où vont nous mener toutes ces politiques. Ensuite, on a l'APS, qui, lui, inclut tous les nouveaux engagements annoncés, donc toutes les promesses pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Là aussi, on essaye de comprendre avec ce scénario où est-ce que toutes ces promesses vont nous amener dans le futur. Et enfin, on a le scénario NZ2, qui, lui, est un scénario normatif qui nous permet de comprendre qu'est-ce qu'on doit faire et à quelle échéance pour décarboniser le secteur énergétique. Donc je vais maintenant rentrer un peu plus dans le vif du sujet et d'abord brosser un portrait du secteur énergétique pour cette année. Et donc, comme vous le savez tous, cette année a été marquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a déclenché pour nous une crise énergétique mondiale. Et il est vrai qu'il existait des pressions déjà sur les marchés énergétiques avant même cette invasion, mais vraiment les actions de la Russie ont fait basculer le secteur de l'énergie dans une grande zone de turbulence. Et il faut savoir que la Russie, avant ça, était le plus grand exportateur de combustibles fossiles au monde, c'est-à-dire quand on combine le charbon, le gaz naturel et le pétrole. Donc cette crise, bien sûr, cause des graves dommages à l'économie mondiale et exacerbe les pressions inflationnistes. Donc on voit que, et si en fait on cherche des turbulences d'une ampleur comparable, il faut retourner à la crise pétrolière des années 70. Donc nous avons cette flambée des prix de l'énergie et aussi des denrées alimentaires, et cela constitue un risque de plonger l'économie mondiale vers une récession. Et donc tout cela nous amène à deux questions principales. Premièrement, comment les décideurs politiques vont réagir par rapport à ça? Et deuxièmement, si cette crise peut effectivement servir de catalyseur pour transitionner vers un système énergétique plus durable et plus résilient. Alors nous, ce qu'on voit, c'est que les gouvernements accélèrent la transition vers les énergies propres. Donc si on regarde les investissements dans les énergies propres, et par énergie propre, on inclut non seulement les énergies renouvelables, mais aussi le nucléaire, les carburants propres, les réseaux électriques et le stockage, mais aussi du côté de la demande, toutes les améliorations sur l'efficacité, les véhicules électriques, etc. Donc pendant les 5 premières années qui ont suivi la signature de l'accord de Paris, les investissements mondiaux dans les énergies propres sont restés stables. Et il a fallu attendre 2021 pour voir un début de reprise. Et cet élan est maintenant stimulé par de nouvelles politiques, notamment le Inflation Reduction Act aux États-Unis, certains éléments du Fit for 55 package de l'Union européenne et aussi le Repower EU. Il y a aussi le Green Transformation au Japon et aussi des politiques menées en Chine et en Inde. Et donc nous, ce qu'on voit, c'est que d'ici à 2030, dans notre scénario STEPS, les investissements annuels dans les énergies propres dépasseront les 2000 milliards de dollars par an. Et ça représente une augmentation de plus de 50% par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Je voudrais juste mentionner une mise en garde, c'est que la majeure partie de l'augmentation de ces investissements est concentrée dans les économies avancées, aussi en Chine,
Mais en fait, la transition énergétique, ce n'est pas que des investissements dans les pays, les économies avancées, c'est aussi beaucoup d'investissements dans les économies émergentes et en développement. On voit aussi que les fabricants d'énergie propre se préparent à des transitions plus rapides. Et on pourra revenir là-dessus après, lors de la séance de questions. Là, je voudrais juste mentionner que le secteur de l'électricité prend un tournant cette année. Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas, mais ce qu'on voit, c'est qu'à l'échelle mondiale, la croissance continue d'être soutenue par les énergies renouvelables, avec un nouveau record pour le solaire photovoltaïque et l'éolien. En revanche, comme on l'a mentionné avant, l'année a été particulièrement difficile pour l'énergie nucléaire, notamment en Europe et en France, qui a été affectée par la maintenance planifiée qui a été retardée par le Covid et aussi les contrôles de sécurité supplémentaires non planifiés, et aussi pour la production de gaz naturel à cause de des prix élevés et des préoccupations en matière de sécurité énergétique. Et tout ceci a conduit à une augmentation de la production d'électricité à partir du charbon en Europe et aussi une croissance continue en Asie. Mais ce qu'on voit dans notre scénario STEPS, donc, qu'on pourrait qualifier de scénario de référence, c'est que la hausse mondiale du charbon n'est que temporaire. Et qu'en fait, toutes ces politiques qui favorisent les énergies renouvelables que j'ai mentionnées auparavant sont beaucoup plus fortes. Et en fait, en 2025, la production mondiale d'électricité à partir du charbon est déjà inférieure à ce qu'elle était en 2021. Et ce qui permet à l'utilisation globale du charbon, c'est-à-dire pas juste de l'électricité, mais aussi son utilisation dans l'industrie et d'autres secteurs, d'atteindre un pic peu après 2025. Et quand on regarde à l'horizon de 2030, en fait, la consommation de charbon décline de 10% par rapport à 2021. La production d'électricité à partir du gaz naturel est en hausse. Les énergies renouvelables sont en hausse de 90%. Et il y a bien sûr aussi une croissance de l'énergie nucléaire qui est favorisée par le redémarrage de réacteurs au Japon, notamment. Et tout ceci signifie qu'on va atteindre un pic des émissions mondiales du secteur de l'électricité dans les prochaines années. Et cette réduction est importante. Elle représente 5 milliards de tonnes de CO2, ce qui correspond à peu près à 15% des émissions mondiales de CO2 du secteur énergétique aujourd'hui. Et juste avant de laisser la parole à Tanguy, je suis un peu perdu dans mes notes, pardon. C'est à toi en fait. Merci Jérôme. Moi, je vais maintenant vous parler du gaz et rebondir un peu sur les discussions qu'on a eues. Si on regarde les estimations qu'on faisait pour le marché du gaz et pour la demande du gaz en 2010, on se posait la question à l'époque de savoir si on entrait dans une décennie d'âge d'or du gaz. Effectivement, on a constaté que la demande de gaz naturel a augmenté de 2% par an au cours de la décennie précédente. Mais aujourd'hui, 10 ans plus tard, les choses ont changé. Le solaire et l'éolien, les coûts du solaire et de l'éolien ont significativement baissé. Les tensions, les pénuries d'approvisionnement et la sécurité à court terme ont fait grimper le prix du gaz, et ce, même avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On a aussi d'autres considérations qui rentrent en jeu quand on regarde le gaz. Il y a bien sûr les engagements net zéro que les pays ont pris. Le gaz reste un combustible fossile. Et aussi, quelque chose qu'on essaye de suivre à l'AIE, c'est les émissions de méthane. Les émissions de méthane, comme vous le savez, sont 30 fois plus importantes, ont un potentiel de réchauffement 30 fois plus important que celui du CO2. Et le méthane, justement, s'échappe avec la production de gaz et de pétrole. Donc, si on regarde la demande de gaz dans notre scénario STEPS, donc il augmentait à peu près de 2% par an entre 2010 et 2021. On prévoit, ou en tout cas on modélise, une augmentation qui n'est plus que de 0,5% par an entre 2021 et 2030. Et après ça, la demande reste stable. Il y a une réduction de la demande dans les pays développés, mais qui est compensée par une hausse dans les économies émergentes. Si on regarde maintenant du point de vue commercial, et on en a parlé un petit peu avant, les exportations par pipeline de la Russie vers l'Europe s'effondrent.
on pourrait croire que les exportations de la Russie se transfèrent vers l'Asie, mais ça requiert en fait des dépenses d'infrastructure, une mise en place d'une infrastructure qui n'existe pas aujourd'hui et qui, avec les sanctions économiques, aurait du mal à se matérialiser en termes d'investissement et en termes de gestion de projet. Donc il est peu probable pour l'instant que les exportations par pipeline de la Russie vers l'Asie puissent compenser la perte du marché européen pour la Russie. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure aussi, les réductions du commerce par gazoduc signifient que la trajectoire pour le gaz naturel liquéfié est très différente de celle du gaz dans son ensemble. On estime que les exportations de gaz naturel liquéfié augmentent de plus de 2% par an, avec quelque chose de très parlant pour ce qui concerne les exportations américaines, qui augmente de 60% par rapport au niveau de 2021 pour atteindre près de 150 milliards de mètres cubes en 2030. Et dont de ces 150 milliards, 60 milliards sont dirigés vers l'Europe. On voit aussi une tendance similaire en Asie, mais même si certains des importateurs traditionnels comme le Japon et la Corée voient leur demande de gaz naturel liquéfié diminuer, car ils suppriment le gaz de leur mix énergétique graduellement. Je voulais juste revenir sur une des questions qui avait été posée sur la vulnérabilité et l'idée de substituabilité des fournisseurs. Il faut bien se rendre compte qu'on n'est pas tout seul sur le marché du gaz et que la substitution, c'est tout le monde qui veut la faire en même temps. Et donc, l'Europe, en général, devient très dépendante du gaz naturel liquéfié américain. Ça reste une vulnérabilité très forte de notre point de vue à l'AIE. Et il faut bien se rendre compte que le gaz est un marché international. Et la pression sur les prix peut être très forte et être très importante sur les pays. Donc ces tendances de plateau de la demande mondiale du gaz et en charbon, comme l'a dit Jérôme, nous permettent d'annoncer un pic de demande des combustibles fossiles dans la prochaine décennie. Et c'est la première fois que l'AIE peut annoncer quelque chose comme ça. On a pour la première fois la part des combustibles fossiles qui est restée aux alentours de 80% de l'approvisionnement énergétique total depuis en gros la révolution industrielle, qui baisse pour la première fois pour atteindre 75% pardon, en 2030 et 60% en 2050. C'est encore beaucoup, vous me direz, mais c'est le chiffre compliqué. Donc, si on regarde un peu au-delà de la crise immédiate, les décideurs politiques doivent réfléchir aux risques potentiels qui arrivent pendant la transition et des nouveaux risques qu'on ne connaissait pas avant. La transition énergétique et la crise énergétique qu'on connaît actuellement offrent la possibilité de construire un système plus sûr et plus durable, mais rien ne garantit que le voyage se fera sans accroc. Cette année, à l'AIE, nous avons proposé 10 lignes directrices pour aider à renforcer la sécurité énergétique et essayer de regarder justement comment se passait la cohabitation entre les énergies propres et le reste des énergies fossiles. Ce qu'on essaye de montrer dans le World Energy Outlook, c'est qu'on ne peut pas avoir la réduction qu'on est en train de connaître en fait, dans les investissements, toute énergie confondue, et en particulier dans les énergies fossiles, sans avoir à côté un investissement massif dans les énergies propres et renouvelables. Et aujourd'hui, quand on regarde le ratio pour chaque dollar ou euro qu'on dépense, qu'on investit dans les combustibles fossiles, on est en gros à 1,50 $ ou 1,50 € dans les énergies renouvelables. Et c'est bien sûr pas assez pour arriver on a parlé des 2 milliards à 2030 qui sont à peu près actés, mais en fait, pour atteindre une stratégie net zéro, il faudrait que ces investissements arrivent à 4 milliards. Donc il faudrait encore qu'ils doublent par rapport à ce qu'on a déjà de prévu pour 2030. Et donc ça nous donne un ratio qui devient... on a toujours certains investissements dans les combustibles fossiles. Même dans un scénario net zéro, notre scénario net zéro dit qu'il n'y a plus de nouveaux projets qui sont développés, mais il reste une partie d'investissement dans la sécurisation des sources d'approvisionnement existantes,
dans l'amélioration de leur efficacité, dans la capture des émissions qui en résultent. Et donc le ratio entre ces investissements dans les combustibles fossiles et les énergies propres passe de 1 à 9. Donc pour chaque euro dépensé dans les fossiles, on a 9 euros dépensés dans les énergies propres. On doit aussi réfléchir à utiliser au maximum les infrastructures telles que les centrales à gaz, les raffineries, les réseaux de gaz pour gérer l'intermittence des renouvelables qu'il y aura dans notre scénario net zéro et donc être sûr de ne pas les fermer trop tôt entre guillemets et d'être sûr de les utiliser à bon escient pour qu'elles puissent gérer les pics de demande de production. Et enfin, si on continue à parler de résilience du système énergétique et les nouvelles vulnérabilités, à l'AIE, on essaye justement de regarder les nouvelles sources de vulnérabilité comme les minéraux critiques. Et alors, on a essayé de faire des estimations. Par exemple, on regarde le niveau de concentration géographique dans les métaux critiques, comme le cobalt, le nickel ou les terres rares. Pour ces trois métaux, la part des trois premiers pays producteurs, on estime qu'elle se situe entre 60 et 90% dans la part des trois premiers pays producteurs dans le commerce global de ces trois métaux. Pour donner un ordre d'idée, le même indicateur pour le pétrole et le gaz, on est entre 40 et 50%. Donc il faut faire très attention à ne pas sortir d'un système très vulnérable et très dépendant envers un petit nombre de producteurs pour rentrer dans exactement la même chose. Pour d'autres minéraux. Donc ça implique un rôle de plus en plus important pour les gouvernements pour gérer ces risques. Donc il y a un rôle très important des politiques. On estime aussi que 70% des investissements dans la transition énergétique vont devoir venir de sources privées. Et donc il y a un rôle, bien sûr, du politique, mais les gouvernements doivent essayer de garder la compétitivité des marchés de l'énergie et d'encourager le secteur privé, d'encourager les investissements du secteur privé dans la transition. Et d'ailleurs, on a publié pour la France quelque chose, je crois, il y a 2 ans sur la sécurité énergétique, et on montrait que le secteur privé a besoin de signaux clairs et à long terme sur le futur du mix énergétique. Et c'est dans ces choses-là que le gouvernement et les politiques ont un rôle très important à jouer. Si on résume tout ça en termes d'émissions, ce qu'on voit, c'est qu'au cours des dernières années, les émissions mondiales de CO2 ont considérablement augmenté, même si les années 2010 ont montré les signes d'un certain plateau. Depuis l'ère pré-industrielle, on estime que les émissions de CO2 accumulées ont déjà réchauffé la Terre d'un degré, un degré 1 suivant là on regarde. Et si on regarde les émissions liées à l'énergie, elles sont d'environ 37 gigatonnes en 2021. Et c'était ce qui était d'ailleurs la plus forte hausse annuelle des émissions jamais enregistrées. Mais en fait, malgré ces inquiétudes, on estime que les émissions de CO2 dues à la combustion de combustibles fossiles devraient augmenter d'un peu moins d'1% cette année. Donc on est en train d'atteindre un plateau. Si on se réfère à notre scénario de référence qui était avant les accords de Paris, on se dirigeait tout droit vers un réchauffement de 3,5 degrés, ce qui était bien sûr bien en dehors des clous par Paris. Mais maintenant, avec la crise énergétique et les lois et les différentes régulations qui ont été mises en place à travers le monde, aux États-Unis, comme on en a parlé, en Europe, au Japon, on estime que cette trajectoire d'émission permettrait de réduire le réchauffement climatique d'un degré. Donc on arrive à 2,5 degrés si on prend en compte les politiques déjà actées et la trajectoire actuelle du système énergétique. Donc 2,5 degrés, c'est mieux, vous me direz, mais ça reste encore en dehors de l'accord de Paris et ça reste encore, d'après le consensus scientifique, trop en ce qui concerne le changement climatique. Maintenant, on a essayé dans notre scénario APS, donc celui qui regarde les engagements pris par les pays, et pour ça, on a essayé de résumer. Enfin, on a d'agréger tous les contributions nationales déterminées que les pays fournissent de par leur engagement dans l'accord de Paris, dont d'ailleurs beaucoup ont été mises à jour en 2022. On regarde aussi les objectifs de zéro émission nette,
On a 84 pays en tout qui ont déjà pris des engagements de réduction de net zéro émission nette. Si on regarde aussi ce qui se passe dans des secteurs, d'autres secteurs comme le transport maritime, l'aviation, et si on prend en compte leurs engagements, on baisse encore le réchauffement et on arrive à 1,7 degré de réchauffement climatique. Ça, c'est encore une fois, c'est si tout ce qui a été dit, tout ce qui a été, tous les engagements qui ont été pris sont effectivement délivrés et à temps. Et donc c'est une grosse hypothèse qu'il faut prendre bien sûr avec précaution. Et si on veut passer en dessous des 1,5 degré, on a besoin d'une transition encore plus rapide et avec des émissions de CO2 qui d'ici à 2030 sont en gros 20 gigatonnes plus basses qu'elles sont aujourd'hui. Donc ça veut dire une division par deux des émissions de CO2 du système énergétique mondial. Donc c'est quelque chose. Et d'ici à 2030, donc c'est déjà c'est très ambitieux. Donc si on veut conclure sur notre World Energy Outlook, on montre, et c'est un message positif je crois qu'on a cette année, c'est que les réponses des gouvernements à la crise énergétique marquent un tournant majeur dans le système énergétique et orientent clairement l'économie vers un système énergétique plus propre et plus sûr. On a ce plateau justement de l'utilisation des combustibles fossiles et c'est la première fois qu'on voit un semblant de décorrélation entre la croissance du PIB et l'utilisation des combustibles fossiles. Mais de l'autre côté, on a besoin d'une augmentation massive des investissements dans les énergies propres pour garder la porte ouverte à 1,5 degré. Et sans cela, pour éviter une nouvelle volatilité des prix, on va avoir plus d'investissements dans les combustibles fossiles. Et c'est clairement pas la direction qu'on doit prendre si on tient à nos objectifs climatiques. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec un peu de malice, je soulignerai que vos derniers propos contredisent une des premières personnes que nous avons auditionnées dans notre commission d'enquête qui prétendait qu'il n'y avait pas moyen de faire de la croissance en dehors du carbone, alors que vous observez pour la première fois de la croissance PIB, sans changer l'indicateur, décorrélée de la consommation de carbone. J'ai une première question qui peut concerner les deux organismes, qui reprend le fil de la discussion qu'on avait tout à l'heure, sur les flux électriques internes à l'Europe. Du coup, même question qu'avant, est-ce que vous avez des éléments qui permettent de les qualifier et d'observer des éventuelles tendances de fond sur les flux électriques internes à l'Europe? Et du coup, la question en résonance surtout, c'est... est-ce que vous contribuez à des travaux de coordination des schémas de planification électrique européens? Voilà, ce qui nous arrive, c'est des schémas de planification nationaux dans lesquels parfois on compte sur des importations, mais pour lesquels on ne va pas toujours vérifier sur la disponibilité de la production du pays voisin dont on espère des importations. Donc est-ce que au niveau de la Commission européenne, peut-être par l'intermédiaire d'Eurostat ou de l'Agence internationale de l'énergie, c'est quelque chose sur quoi vous travaillez? Pour les flux électriques à l'Europe, c'est pas l'office statistique qui observe ça. C'est plutôt, et maintenant je dois utiliser une expression anglaise, the European Network Transmission Operators pour l'électricité. Donc eux, c'est une agence et ils fournissent des chiffres et des détails à nos collègues au sein de la DG Énergie et surtout à l'agence Acer. Qui en fait qui est l'organisme qui reprend les deux, European Transmission Network Operators pour l'électricité et la même chose pour le gaz. Donc et Acer
c'est l'autorité régulatoire, des régulateurs pour l'Union européenne. Eux ont ce type des chiffres vraiment basés sur les flux. Et évidemment, nous, on n'y intervient pas pour l'électricité. Par contre, au niveau de la Commission européenne, avec les pays membres, il y a un groupe de coordination pour le gaz naturel, la même chose pour le pétrole et les produits pétroliers. Et ils se réunissent pour discuter des mesures très, très concrètes. Mais en fait, il y a ça aussi pour l'électricité. Là, ils regardent aussi si le réseau de transmission et fournit ce qu'il faut fournir, ou s'il y a un risque de blackout, etc. etc. Ce n'est pas du tout notre travail, mais ça existe sur le plan européen. Mais pour ceci, je vous prie, on peut établir un contact avec nos collègues à la DG Énergie. Merci. Je voulais juste préciser sur le PIB, la corrélation entre le PIB et la combustion de fossiles. Nous, c'est dans notre scénario, donc c'est dans le futur. Loin de moi l'idée de contredire votre intervenant qui a dit ça. On le connaît bien. donc voilà, donc c'est un résultat en fait de notre modélisation de nos scénarios. Sur l'électricité, je suis pas. Est-ce que tu as une idée ? Faudrait qu'on demande à notre service statistique, qui, je pense, utilise les données d'autres organisations qui sont ici. Voilà. Schéma de planification, de l'évolution de la consommation et de la production, ou contribuer d'une façon ou d'une autre ? Je peux juste dire que, par rapport au rapport qu'a publié RTE l'année dernière, donc l'agence a coopéré avec RTE pour élaborer ce rapport. Quels sont le type d'éléments que vous fournissez, par exemple, à RTE pour établir son rapport ? J'en suis pas sûr, je sais pas, j'étais pas impliqué dans ce projet-là, mais je peux demander et vous fournir le détail. J'ai une deuxième série de questions. Vous avez tous deux évoqué la vulnérabilité. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous étudiez de longue date ? Est-ce que c'est une problématique qui est récente ? Ou est-ce que c'est une problématique qui a évolué ou dont la prépondérance a évolué récemment ? Oui, peut-être. Quand on parle de la vulnérabilité, nous, on utilise comme proxy la dépendance des importations. Ça, c'est un indicateur, c'est un ratio, c'est un chiffre qui ne dit pas grand-chose non plus. Comme nos collègues français ont souligné, il faut toujours réfléchir quelle est la possibilité de substitution et quel est le prix de substitution et à quelle vitesse est-ce qu'on peut substituer un fournisseur. Donc, le chiffre seul donne une indication, mais il faut prendre des précautions quant à l'interprétation. Nos collègues, nous, on produit ces chiffres-là, mais nos collègues dans le domaine de la politique d'énergie ne cessent pas de souligner les deux aspects-là. Ce que nous, dans la statistique, on a ajouté, et ça c'est de très court terme, on a publié ça en septembre, c'est vraiment les importations, la dépendance des importations par pays d'origine pour le gaz et le pétrole. Et ça c'est nouveau, en fait on a voulu regarder à quel point est-ce qu'on dépend de la Russie. Mais on n'a pas pu publier un tel indicateur. Donc, on regarde les fournisseurs le plus important. Et pour le gaz, si je ne me trompe pas, on en a 11. Et pour le pétrole, on en a 7 ou
peut-être c'est l'envers, je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus. Donc c'est ça, et ça c'est à court terme qu'on vraiment fait un zoom sur l'origine des importations. Mais comme les collègues de la STES ont souligné, il y a des certaines problématiques méthodologiques, surtout pour les gaz, parce qu'on exclut le transit. Et ça c'est une commande récente, c'est une autosaisie récente. Comment s'est construite la commande de ce type d'indicateur ? La dépendance des importations, on a publié depuis toujours. Okay ? Mais de faire un zoom-in aux deux produits, le gaz et le pétrole, par origine, c'est une demande à l'intérieur. Donc c'est quand même une réponse à la situation actuelle géopolitique. Mais je sens que mon collègue veut ajouter quelque chose. Gaston, c'est tout. Oui, il faut ajouter que c'est aussi lié aux multiples requêtes qu'on a reçues de beaucoup d'acteurs, non seulement au niveau interne, mais également au niveau externe. On a eu pas mal de personnes qui nous ont posé la question là-dessus. Donc, on a en effet, on a dans nos chiffres et on a regardé cet indicateur de longue date, mais on a fait en effet des zooms et essayé d'affiner un petit peu plus notre travail là-dessus depuis cette année et même depuis la fin février, début mars, au tout début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on avait déjà reçu des requêtes et des commandes à ce sujet. Et donc, on a travaillé dessus dès le début, en fait. Si je peux aussi préciser, par exemple, pour le produit pétrole et produit pétrolier, on essaie aussi de voir les dépendances secondaires. Parce qu'il y a des pays qui importent le pétrole crude oil, pétrole brut. Et après, ils ont leur raffinerie et exportent les produits raffinés. Donc, on fait ce deuxième tour, mais pas plus loin. C'est la formule qu'on a choisie maintenant. L'AIEA, même si j'ai le sentiment que c'est un peu consubstantiel à votre création. Oui, je voulais juste dire déjà qu'on a préparé des slides aussi, donc si vous voulez, on peut les transmettre plus tard. Effectivement, l'énergie, la sécurité de l'énergie est vraiment au cœur du travail qu'on fait à l'agence depuis sa création, comme je le mentionnais plus tôt. En fait, il faut comprendre qu'à l'agence, il y a vraiment plusieurs départements, plusieurs équipes. Et pour tout ce qui est sécurité d'approvisionnement, on a des équipes qui travaillent vraiment à court terme sur les marchés, marché du gaz, marché du charbon, marché du pétrole. Ces équipes-là vont, par exemple, fournir des rapports. Nous, notre rapport, il est annuel. Ces équipes-là vont fournir des rapports à une fréquence beaucoup plus élevée. Il y a eu notamment un rapport publié par l'équipe du gaz au début du mois qui a souligné le fait que cet hiver, on va peut-être passer un hiver avec assez de réserves en gaz. Si les conditions climatiques le permettent, etc. Mais que l'hiver prochain, ça risque d'être vraiment beaucoup plus difficile parce que pendant cet hiver-là, on n'aura pas eu le temps d'avoir les approvisionnements venant de la Russie. Et donc, si on n'a aucun approvisionnement venant de la Russie l'année prochaine et qu'en plus, il y a un rebond dans l'économie chinoise, on pourrait se retrouver avec un déficit de 30 milliards de mètres cubes de gaz. Donc ça, c'est la première chose que je voulais souligner. Après, nous, dans notre unité, en fait, la méthodologie qu'on utilise fait que en fait, nos marchés sont toujours à l'équilibre. En fait. La demande et la production vont toujours s'équilibrer. C'est quelque chose qui est inhérent à notre méthode. Mais comme Tanguy l'a souligné, auparavant, on peut aussi regarder, on a des indicateurs de vulnérabilité. Donc Tanguy en a souligné trois, je crois. Donc c'était le fait qu'on doit investir massivement dans les énergies renouvelables si on veut vraiment se sortir de cette situation. Pour nous, c'est la solution clé et durable pour avoir un système énergétique durable. C'est la solution.
Et après aussi, enfin dans le rapport, on a un chapitre dédié à la sécurité énergétique et on a d'autres éléments comme la sécurité électrique ou encore le changement climatique. Il faut aussi voir que les impacts du changement climatique apportent aussi des nouvelles vulnérabilités, notamment au niveau de la... excusez-moi, je travaille tout le temps en anglais, donc c'est... Non, sur les... Vous en sortez mieux que moi. Tout ce qui est tout le secteur minier, en fait, des minéraux critiques, en fait, pourrait être affecté par les inondations ou par les vagues de chaleur en Afrique, notamment. Les inondations, c'est plus pour l'Australie et l'Amérique du Sud. Tanguy, tu veux ajouter quelque chose ? Oui, je voulais juste dire qu'effectivement, la sécurité énergétique est au cœur et a été à la base du fondement de l'Agence internationale de l'énergie. Et en plus de tout ce que Jérôme a dit, on essaye de regarder, un peu comme vous, de faire un deuxième tour et de regarder les autres aspects, certains autres aspects. Et un aspect qu'on commence à regarder de plus en plus, notamment, c'est par exemple tout l'aspect emploi, les aspects sociaux qui sont liés à la sécurité énergétique. Et on essaye d'analyser ça un peu dans nos rapports. Monsieur le Président, j'ai oublié deux autres indicateurs assez importants, parce que j'ai commencé avec les importations, la dépendance des importations par origine pour le pétrole et le gaz, mais il y a quand même l'objectif politique de réduire la demande pour le gaz naturel de 15% par rapport aux 5 dernières années, et on regarde ça tous les 2 mois. Par rapport aux mois correspondants. Donc le premier rapport, le premier chiffre, on a collecté pour les mois août et septembre, et on a déjà publié, on a reçu ces chiffres le 15 octobre, et on a pu les publier 2 jours après. Ça, c'est très, très, très récent. Et on a vu qu'effectivement, l'objectif de... moins de 15% a été atteint, au moins selon les chiffres préliminaires. Ça, c'est tout récent, tout nouveau, et c'est évidemment une réaction à la situation géopolitique. Et troisièmement, ce qu'on va analyser avec nos collègues dans les task force méthodologiques, c'est regarder un peu plus le stock de gaz naturel, parce que là, dans les définition qu'on applique en statistique énergétique et le règlement qui détermine le seuil minimum, il y a quand même des différences, il y a plus de détails. Donc là, on voudrait bien résoudre ça. Et tout ça est tout récent. Tout ça n'existe pas sans l'invasion de la Russie en Ukraine et les sanctions et toutes les mesures politiques que la Commission et que l'Union européenne a pris. Donc juste pour être clair et complet. Merci. Merci. On va finir par penser que un des effets annexes de l'invasion de l'Ukraine par la Russie est l'accélération de la transition énergétique. Vous le confirmez même. Dans les éléments que l'Agence internationale a précisés, dans les scénarios que vous avez sur le gaz, vous dites qu'il y a quand même une augmentation qui se poursuit. Est-ce que vous le lieriez notamment au backup des ENR intermittentes dans vos scénarios? C'est ce qui ressort ou pas? Oui, il y a un rôle. L'augmentation, elle se fait jusqu'à 2030. Et ensuite, disons qu'elle est principalement dans les pays émergents. Donc en fait, c'est plus qu'un backup aux renouvelables. C'est des projets de gaz qui servent de flexibilité, enfin, donc qui servent pour les pays émergents. Ça, c'est une augmentation très, très, très petite. Hein. C'est vraiment, on atteint un plateau général. Mais ce qu'on voit dans les économies avancées, c'est vraiment une réduction du gaz et un remplacement par les énergies renouvelables. Mais qui reste présent.
qui reste présent, oui, effectivement, pour assurer une certaine flexibilité. Avant-dernière question pour moi. Vous disiez suivre un peu ce qui est innovation énergétique. Quelles sont les pistes que vous suivez de façon très attentive, sur lesquelles vous comptez un petit peu pour des scénarios, ou sur lesquels vous pouvez même, peut-être même espérer pour qu'il y ait des accélérations de scénarios en matière combinée d'autonomie, de souveraineté respective et de décarbonation en matière de solutions technologiques? Est-ce qu'il y en a que vous avez dans votre spectre sur lesquels vous avez des espoirs plus ou moins avancés? Alors, dans le scénario net zéro, qui est un scénario donc qui part de l'idée qu'on a zéro émission nette en 2050, on était obligé de faire un travail un peu rétroactif et de voir ce qui marchait. Et donc, effectivement, il y a une certaine dépendance à l'arrivée de nouvelles technologies, l'hydrogène, la capture et l'utilisation de carbone, des choses comme ça qui sont effectivement qui représentent une partie importante du scénario. Je suis désolé, c'est pas vraiment mon travail, donc j'ai juste lu moi-même le rapport, mais on a une comparaison par exemple avec les 16 ou 18 scénarios du GIEC qui arrivent au même état à limiter les, enfin, qui arrivent à net zéro émission nette en 2050, et on est en général on est plutôt dans les tranches basses, sauf si je me rappelle bien dans l'hydrogène, mais je veux pas dire de bêtises, donc il faudra que je rouvre le rapport. Mais effectivement, ce qu'on montre, c'est qu'il est très difficile, voire impossible, d'atteindre net zéro sans l'apport de ces technologies, et notamment dans les secteurs qui sont difficiles à décarboner. On a parlé de l'aviation, l'industrie, les choses comme ça. Et d'ailleurs, ces technologies, dans la mesure du possible, sont réservées dans notre scénario net zéro à ces secteurs difficiles à décarboner. Tout l'électricité, par exemple, ou toutes les choses qu'on sait déjà décarboner utilisent des renouvelables et ne s'appuient pas sur ces nouvelles technologies. Donc, de parler de façon un peu claire et compréhensible, ces nouvelles technologies, c'est du carburant de synthèse ou ces choses comme ça? Oui. Okay. Dernière question ou remarque avant de passer la parole au rapporteur. Vous disiez que pour atteindre les scénarios, dans tous les cas, il est nécessaire d'avoir des signaux clairs et à long terme. Est-ce que vous avez une opinion sur la nature des signaux tels qu'ils existent aujourd'hui, et notamment sur l'Europe et la France? En fait, en ce moment, il y a des signaux assez clairs provenant du gaz naturel. Ce sont les prix très élevés. Le seul problème en France, c'est que ces prix sont masqués aux consommateurs. C'est une bonne nouvelle pour les consommateurs, mais le problème avec ça, c'est qu'ils ne vont pas réduire leur demande. Ça fait une facture énergétique très élevée et ça incite pas à transitionner vers un système énergétique qui utiliserait d'autres technologies. Ça ne va pas inciter le consommateur à changer sa chaudière au gaz, par exemple. Ouais, c'est tout ce que je voulais dire. Ok. Monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le président. Je serai assez bref. Juste, par contre, sur le dernier point, je n'ai pas compris votre raisonnement, en fait. Je veux dire, on a une explosion des prix énergétiques qui sont que partiellement couverts. Donc le signal prix reste très négatif pour les énergies de manière générale, et il reste négatif et désincitatif à la consommation énergétique. Donc à moins de dire que les mesures qui sont en place sont de nature à moins inciter au changement pour des ménages dont on sait que la capacité d'investissement est très faible, je ne vois pas bien ce que vous voulez dire, mais c'est plus juste une parenthèse. Je reviens sur les scénarios, simplement une question sur les scénarios AIE. Est-ce que vous avez pu regarder les précédents scénarios que vous avez faits par le passé et leur correspondance avec la réalité telle qu'elle est advenue, et qu'est-ce que ça donne ? On a présenté un exemple tout à l'heure, on n'avait pas l'image, mais par exemple, tout ce qui était l'âge d'or du gaz, on avait une projection qui montrait donc cette croissance du gaz pour la prochaine décennie. Et il se trouve que cette projection était,
était exactement celle qu'on avait projetée. Après, nos scénarios restent des projections, ce ne sont pas des prédictions. On est juste là pour essayer d'explorer les futurs possibles en tenant compte des politiques qui sont implémentées par les différents pays, des technologies, de leurs coûts au moment de la création des scénarios. Et donc voilà, des fois on tape juste et des fois on est un peu en dehors de... Enfin, suivant le scénario qu'on prend. Est-ce que je peux juste revenir sur les prix ? Les prix en France sont beaucoup plus bas que les prix du marché. Ce que DF, enfin, n'importe quel énergéticien qui achète l'énergie sur les marchés mondiaux, paye beaucoup plus cher. Il y a ce bouclier qui est fait, même si les prix, toutes nos factures de gaz et d'électricité ont augmenté, mais n'ont pas du tout augmenté dans la même mesure que celle des prix constatés sur les marchés de gros. De l'énergie. Si vous regardez certains pays où, par exemple, on a vu l'exemple au Royaume-Uni, où les factures énergétiques ont augmenté de 80% pour presque tout le monde. C'est juste dans ce sens-là qu'on dit qu'il y a une certaine protection du consommateur. Elle est bien, elle n'est pas bien, c'est à vous d'en décider. Mais en tout cas, elle ne transfère pas l'externalité du prix sur le consommateur et ne l'encourage pas à faire l'investissement. Bien sûr, on est bien conscient que la plupart des ménages ne sont pas capables de faire les investissements requis. Effectivement, il n'y a pas de système d'incitation. On est d'accord. L'incitation, quand on peut être incité. Oui, mais on pourrait protéger les ménages les plus vulnérables, tout en laissant le signal prix pour les ménages qui le sont moins. Le principe du chèque énergie qui est ciblé sur les ménages modestes. Même si c'est vrai que là, on va rentrer dans un débat où on peut aussi considérer que la construction du pouvoir d'achat ne se fait pas de la même façon dans chaque pays. C'est un élément qui compte aussi. La part énergétique dans le portefeuille des Français a toujours été plus faible qu'ailleurs. Et donc la capacité à augmenter la part de l'énergie dans le portefeuille des Français est plus faible aussi qu'ailleurs. Je crois que c'est un des éléments qui est important. Et quand le prix varie peu en France, leur impact est néanmoins important. Parce qu'on a toujours été habitué à une variabilité du prix de l'énergie qui était un peu moindre qu'ailleurs. Moi j'ai une dernière question pour vous à l'Agence internationale de l'énergie. Comment est-ce que vous construisez très techniquement vos scénarios en matière d'expertise? Est-ce que c'est de l'expertise interne? Est-ce que vous recourez à de l'expertise tierce? Si oui, laquelle? Est-ce qu'il y a des ONG qui vous alimentent pour construire votre expertise, par exemple? L'expertise, elle débute en recueillant des données. Donc, on a des données d'entrée. Donc, on utilise un gros modèle. Et les données d'entrée consistent, on a des données sur le PIB mondial de tous les pays, on a des données de projection de population, etc. etc. Je disais tout à l'heure des données sur les coûts des technologies, on a des hypothèses qui sont faites sur comment ces coûts-là vont évoluer dans le futur, et aussi sur les politiques. Et donc, tout ce travail-là, après de création, génération des scénarios, est fait en interne. On publie un rapport qu'on soumet à un comité de relecture. Donc on a une centaine de personnes qui vont revoir ces scénarios, les analyser, les critiquer. Ce sont des personnes qui proviennent du secteur industriel, mais aussi des ONG, du milieu académique aussi, et aussi des gouvernements. Et après ça, donc on prend en compte tous ces commentaires et on essaye de raffiner nos scénarios par rapport à feedback qu'on nous a donné. Toute dernière question de mon côté, qui est plus pour le SDES et pour Eurostat probablement, parce que j'ai l'esprit d'escalier, parce qu'on a en fait beaucoup parlé tout à l'heure quand on parlait de dépendance énergétique, enfin de production et de consommation de manière générale, mais de dépendance, on a beaucoup parlé en watt-heure. Est-ce que vous avez un suivi de la capacité, enfin de la puissance en watts, tout simplement,
parce que on voit bien que les questions de, enfin, la question s'adresse aussi d'ailleurs à l'agence internationale, mais c'est est-ce qu'on, parce qu'on voit bien que la question de la souveraineté se pose au moment des pics en particulier. Et donc, est-ce que vous faites ce suivi en production installée et en capacité de production au niveau français, européen, international? Alors, les capacités, on les suit surtout pour les renouvelables. Et aussi, on les a traditionnellement pour le nucléaire. Mais bon, le parc est relativement stable sur le nucléaire. Donc voilà. Après, il y a des arrêts de différentes natures sur le parc nucléaire qu'on suit. C'est des choses qui sont données par EDF, en fait. Si c'est vraiment inopiné ou pas, il y a des indicateurs qui permettent de le savoir. Pour la production d'électricité en particulier, on interroge en fait les centrales sur leur capacité. Enfin, on a des informations sur leur capacité. C'est donné d'ailleurs dans le registre RTE des installations de production et stockage d'électricité. Ils ont des données de capacité. Pour l'hydrogène et le pétrole, on a des choses sur les capacités. Pour le charbon, je suis pas. Enfin. On n'a pas vraiment d'informations, mais de toute façon, on n'extrait plus de charbon depuis l'année 2014. Dans les questionnaires, je ne saurais pas où ça se trouve, par exemple, sur le charbon. J'sais pas. Et pour le gaz, en fait, on a des injections de biométhane, mais c'est quand même mineur. Hein, et voilà, on a des choses sur les capacités des opérateurs. En fait, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Oui, on regarde les capacités installées, les capacités de production. Dans l'avenir, on va regarder aussi le decommissioned capacities, le capacité décommissionnée. Donc, on va regarder plus en détail. C'est à partir de l'année de référence 2022 qu'on va collecter l'année prochaine. C'est ça l'idée. Sinon, nous, les quantités, on les collecte, bien sûr, en quantité, c'est kilowattheure, et puis on calcule en équivalent pétrolier et en construisant nos bilans énergétiques, c'est tout dans une unité commune. Mais les différents combustibles sont collectés dans leur propre unité de measurement, de mesurer, oui. de mesure. Oui. Oui, c'est d'ailleurs pour cela qu'on dit souvent que nos données mensuelles, on a les données mensuelles dans les données d'origine, mais les bilans énergétiques, on les a en MTEP, en millions de tonnes équivalent pétrole, en terajoules ainsi qu'en gigawatt-heure. Donc, c'est généralement à ce moment-là qu'on peut commencer à dire que les données sont définitives avant que toutes les données arrivent, généralement le mois d'après. Donc, c'est aussi pour cela que les données pour une année arrivent généralement 11 mois parce que les pays sont. Mais ça va baisser à 10 mois l'année prochaine, donc ce qui est quand même une augmentation conséquente. Cela explique. Oui, pour le travail statistique, c'est une augmentation conséquente. Mais c'est aussi pour cela que la comparabilité est importante et que les bilans sont importants. Parce qu'avoir des données dans les unités d'origine, c'est utile. Mais par exemple, si on ne peut pas convertir une donnée en une autre, c'est plus compliqué à gérer. Bien, mais écoutez, je vous remercie pour ces deux bonnes heures et demie d'audition, pour votre patience, pour votre disponibilité et puis pour la précision de nos échanges. Je crois qu'on vous a... On ne vous a pas laissé tranquille ce soir. Si on a d'autres questions, nous n'hésiterons pas à vous les adresser par écrit. Merci en tout cas et bonne soirée à tous.